Je m'appelle Arnaud Jiquel, j'ai 46 ans, donc j'ai été athlète de haut niveau en roller pendant de nombreuses années. Et on va dire mes titres principaux, j'ai été 4 fois champion du monde. Et puis encore, je fais partie de la vieille génération des rares qui ont été en équipe de France senior et qui ont eu des titres à la fois en quad, c'est-à-dire en patin à roulettes, et en patin en ligne. Je voulais gagner surtout, c'est-à-dire que moi, n'importe quelle course où je prenais le départ, je voulais gagner. Après, si on me demandait si je voulais être champion du monde, je disais oui. Alors j'avais du mal à dire oui parce que j'avais peur que ça me porte malchance. Je m'appelle Hervé Lallemand, j'ai été champion du monde 2 fois, une fois en individuel en 1980 en Nouvelle-Zélande sur le 5 km, et puis une fois sur le relais américain sur route à Bogota en 84. Et c'était la première fois que ce relais était titré, enfin intégré le programme officiel des championnats du monde. Avant, c'était plutôt une course de prestige qu'on faisait en fin de championnat du monde. Et là, c'est la première fois qu'il intégrait le programme officiel. Donc, on a été les premiers champions du monde du relais et du coup, recordman du monde. Et puis après, quand tu es champion du monde, oh, tu as envie d'y rester. La graine était plantée et redevenir ou rester champion du monde, c'était un vrai objectif. Je m'appelle Estelle Florence. J'ai été championne du monde à Valence d'Agen en 2001 sur le 300 mètres. C'était une course, une distance que j'avais tellement travaillée, que je connaissais par cœur du début à la fin, que j'ai quasiment aucun souvenir du temps de course. Après, je me vois franchir la ligne d'arrivée, lancer mon patin, m'étirer le plus possible pour faire le meilleur temps et puis voir le chrono s'afficher et voir qu'effectivement j'avais fait le meilleur temps du moment et je savais que c'était un très bon temps sur la journée. Je m'appelle Franck Cardin, j'ai été champion du monde en 2001 sur le double marathon à Valence d'Agen. C'est un projet de vie, c'est un projet sportif. On ne devient pas champion du monde en une année, en 2 ans, on devient champion du monde en 3, 4, 5, 6, 10, parfois 15 pour certains. Donc voilà, c'est un véritable projet et il faut vraiment s'inscrire dedans à 100%. Ah, le meilleur souvenir, ça a été certainement le fait que je puisse profiter des 20-30 derniers mètres de la course, où quand je me suis retourné, finalement, il y avait largement de quoi pour moi profiter de ces derniers instants. Et là, j'ai pu savourer, et c'est vrai qu'on dit souvent, en l'espace de quelques secondes, on fait table rase des dizaines, enfin en tout cas, toutes ces années de travail et de sacrifice. Je m'appelle Darren de Souza, j'ai 26 ans et j'ai été champion du monde du relais route en 2015. J'ai mis beaucoup de temps à me dire que je pouvais être champion du monde, je pense. Que je pouvais un jour même être champion du monde. Et j'ai même pas commencé à travailler pour être champion du monde ou même haut niveau mondial avant mes 17 ans, je pense. Et c'est vers mes première ou deuxième année senior, je pense, où je me suis dit qu'il y avait peut-être possibilité d'être champion du monde et où là, c'est devenu vraiment un rêve, un truc à accomplir pour dire j'ai fait tout ça et c'est le but final. Franck Perron, 2 fois champion du monde, 4 fois champion d'Europe, champion du monde en 1981. Je crois que ce jour-là, de toute façon, c'est facile de gagner quand c'est comme ça, quoi. C'est une course simple, quasiment en dernier pendant 4 km 300, derrière Danny Van de Peyre. On attend bêtement le dernier tour, Danny Van de Peyre qui sort derrière, je prends la foulée. Et au sprint, de toute façon, je l'avais déjà battu, je crois, 2 fois la veille aux 500 mètres. C'est sûr à 100% que je serai champion du monde ce jour-là, quoi. La chance que j'ai eue, c'est peut-être que, enfin, entre guillemets, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit mal interprété, c'est que Hervé tombe en série du 5000 mètres, quoi. Si Hervé tombe pas en série du 5000 mètres, et même pas en théorie, la finale, normalement, je devais la courir pour lui, quoi, puisqu'il était champion du monde sortant, donc on va dire que quelque part, c'est peut-être la chance que j'ai eue ce jour-là, quoi, voilà. Je m'appelle Pascal Briand, j'ai été 8 fois champion du monde de roller, entre 1999 et 2005. Mon premier titre, c'était au Chili, sur la distance du 500 mètres, qui était plutôt ma distance de prédilection, 500 mètres et 1000 mètres. Je pense que quand j'étais en fait enfant, je rêvais d'être champion du monde. Je pense à ça, on va dire, un peu avant l'adolescence. Ensuite, vers l'adolescence, le rêve s'est transformé en projet.
Je pense que quand j'étais ado, j'ai créé le projet de devenir champion du monde et j'avais en gros programmé ma vie pour devenir un jour champion du monde de roller. J'ai quand même assez vite compris, après quelques années d'entraînement quand même, mais en sortant de l'adolescence, je m'étais dit, et j'étais quasiment sûr que j'allais être champion du monde un jour. Je savais pas quand, mais j'allais être champion du monde un jour. Je m'appelle Jean-François Lachambre, j'ai été champion du monde des 5000 mètres à Wetteren, en Belgique, en 1960. Et j'étais face à des Italiens, un gars de Nouvelle-Zélande, et la piste, elle penchait. Donc elle penchait, moi je suis passé en deuxième position, et le gars de Nouvelle-Zélande, il a voulu passer à la corde, il m'a balancé en gros, voilà. Et que nous, il m'a balancé, j'ai récupéré, je suis reparti au swing, et devant moi j'avais Fagioli, l'Italien. Ce qui veut dire que l'Italien, il était premier. Et moi je suis arrivé en allongeant le pied à faire un bon second. Et compte tenu que tous les deux ils m'avaient balancé, c'est moi qui étais premier. Voilà ma course de champion du monde. Voilà ma médaille de champion du monde. Elle est très petite, mais c'est la médaille de champion du monde. On rêve un peu, on ne réalise pas qu'on part au champion du monde. J'étais trop jeune pour réaliser l'aventure que c'était. Puis je ne pensais pas être champion du monde ce jour-là. À l'avenir peut-être, mais là c'était tout frais, disons. On ne peut pas, disons, réaliser à cet âge-là ce que serait l'impact. Mais après l'impact, il est foudroyant. Tu tombes par terre au milieu d'autres, en pleurs, et c'est des grands souvenirs, ça. Ça ne s'efface pas. Je m'appelle Elton de Souza et je suis deux fois champion du monde. La première fois c'était en 2016 au Relais Route en Chine. Et la dernière fois c'était l'année dernière en 2018 en Hollande, à Herne. Le dernier tour s'est très bien passé. Je me fais pousser deuxième derrière Pedro Cosil. C'est l'un des plus forts, c'est l'un des sprinteurs les plus forts du monde. Il a un palmarès énorme. Et du coup, j'arrive à le passer dans la dernière ligne droite, donc le scénario que tout le monde rêve. Et c'est rigolo parce que j'ai vécu un peu, quand je l'ai doublé, ce moment-là, il était très fort parce que j'avais l'impression d'être spectateur de ce que je faisais. Et en même temps, j'étais acteur. Et en fait, ouais, c'était un moment très spécial, très très bizarre. Enfin, très très fort, quoi. Moi, depuis tout petit, depuis que j'ai 4-5 ans, mon père il m'avait fait serrer la main d'Arnaud Jiquel, en fait. Enfin, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais il m'avait dit qu'Arnaud Jiquel était champion du monde, et du coup j'avais voulu lui serrer la main. Et en fait, depuis ce jour-là, j'ai toujours voulu être champion du monde. Ça a été mon rêve absolu. Thierry Penaud. Eh bien, écoutez, champion du monde Bogota par équipe en 84 et puis un titre de champion du monde individuel en 87 à Grenoble. Un athlète, déjà, il joue avec son corps et il joue avec sa tête, parce que moi je pars aussi du principe que il y a le mental qui joue énormément. Mais non, ce qui est intéressant, c'est la première place, quoi. Moi, je j'ai jamais aimé, comme on dit, les médailles en chocolat, quoi. Je m'appelle Ewan Fernandez, je vais avoir 30 ans cette année. Je suis 8 fois champion du monde de roller, donc plusieurs fois la course à points, la course à élimination et le marathon, et des relais. Bah, mon premier titre, c'était lors des championnats du monde 2012 à San Benito. J'avais du coup 23 ans. C'était une course assez spéciale parce que ça s'est passé sous la pluie, sous un torrent. Des conditions que les Français aiment bien, en fait. Et du coup, on avait un plan à la base qui s'est pas du tout passé comme ce qui était défini. Oui, j'ai toujours rêvé d'être champion du monde parce que je pense que quand on est à haut niveau, c'est le rêve de tout athlète dans tout sport. Peu importe qu'on soit fille ou garçon, je pense que c'est le rêve de chacun de pouvoir un jour porter le maillot arc-en-ciel. J'ai travaillé pour y arriver, justement, à atteindre cet objectif que je m'étais fixé si haut. Après, je ne me considérais pas un de mes plus talentueux de mon sport. Je pense qu'il y a des personnes plus talentueuses, mais bon, normalement, le talent, ça fait pas tout. Et je pense que j'ai
Par contre, j'ai beaucoup travaillé et beaucoup écouté les conseils qu'on a pu m'être donnés pour réussir à atteindre cet objectif. Je m'appelle Sandrine Rabot-Plu, j'ai été 3 fois championne du monde. En 1995 en Australie à Perth sur le 1500 mètres. En 1996, 2 fois sur le 5 km à points et le 21 km. Alors mon premier titre en 1995, on était entraîné par Charlie Lucas. C'est un championnat du monde un peu différent puisqu'on n'était pas en réussite. L'équipe de France n'était pas en réussite, les garçons étaient blessés, nous les filles on avait quelques médailles mais pas en réussite. Et j'ai souvenir de l'entraîneur, Charlie Lucas, notre entraîneur américain, qui avant ma course me dit « C'est notre course Sandrine, c'est sur cette course-là qu'on ramènera le titre. » Dont acte. Et il me dit « Prends des risques. » Je tente ma chance à un tour de l'arrivée, je pars et donc du coup ça a surpris tout le monde, j'ai dû mettre X mètres entre moi et les autres ont attendu et ces X mètres qui étaient assez conséquents au début se sont finis par quelques centimètres au niveau de l'arrivée, mais c'était quand même moi qui étais la première et du coup première fille championne du monde de notre fédération et le premier titre de ce championnat et surtout du coup un titre un peu collectif, donc ça a été très appréciable. Je ne pense pas que ce soit dans ma nature d'avoir rêvé d'être championne du monde. Je suis compétitrice, ça c'est clair, donc j'ai toujours rêvé de gagner et je pense que ça s'est construit au fil du temps. Je m'appelle Gwendal Lepuyvert, je suis 6 fois championne du monde, 3 fois en individuel et mon premier titre a eu lieu à Taïwan sur le relais avec les gars Darren et Owen. Si j'ai rêvé de devenir champion du monde, je dirais que ça s'est pas passé comme ça. Je dirais que ça s'est passé plus dans ma construction personnelle. Je suis passé d'entraîneur à entraîneur et qui m'ont construit jusqu'à me dire que le titre était jouable et c'est plus une construction sur du long terme. Il y en a qui rêvent toute leur vie de voir devenir champion du monde. Moi, ça s'est plutôt construit étape après étape. C'est vrai que quand j'étais par exemple avec Brigitte à Guingamp, je me disais pas je serai champion du monde. Je me disais j'ai mon niveau là, ok, et on continue. Et c'est vrai qu'après je suis passé avec d'autres coachs, Pascal Briand, après je suis passé avec Alain, et c'est vrai que c'est étape après étape que ça m'a construit vers le titre de champion du monde. Je m'appelle Julien Despo, j'ai été une seule fois champion du monde par équipe sur relais à l'américaine en 2006 en Corée avec Thomas Boucher et Yann Guyader. Ça s'est joué dans le dernier virage et le dernier relayeur c'était Yann qui a réussi à dépasser les Néo-Zélandais sur un truc fou quoi, Yann Guyader. Je sais pas comment il a fait ça. Donc voilà, je me rappelle surtout de la joie qui a explosé en moi puisque j'attendais Victor comme ça depuis longtemps et une joie d'autant plus grande que c'était quand même assez inattendu et que ça s'est fait vraiment au dernier moment de la course sur un geste génial de Yann quoi. J'ai commencé le roller, si je pouvais rêver d'être champion régional ça aurait été déjà pas mal puisque j'ai fini cette dernière de toutes mes courses. Donc non ça c'est une opportunité qui s'est construite petit à petit plutôt de ma progression. Et ouais, après c'est devenu un objectif, au bout d'un certain moment c'est devenu une sorte d'obsession même quand j'ai vu que c'était atteignable quoi. Mais j'ai mis du temps à y croire, ça c'est sûr. Donc moi c'est Nicolas Péloquin, j'ai été donc champion du monde du relais 3 km donc en Argentine en 2014. Donc une course avec donc 2 équipiers sur 3 km. Je pense que sur l'aspect ouais, les résultats sportifs, ça a été vraiment le meilleur souvenir que j'ai pu avoir aujourd'hui en équipe de France. Après, c'est particulier, j'ai eu la chance de faire cette course, c'était la dernière course de ma carrière de sportif de haut niveau, donc j'ai la chance de finir sur une médaille d'or. Donc c'est vrai que ça a été assez émouvant parce qu'au fond de moi, je savais que c'était j'approchais fortement de la fin. Non, ça n'a jamais été un de mes rêves. Après,
J'ai toujours déjà fait le roller pour prendre du plaisir. Donc après, je me disais qu'on verrait bien où ça peut me mener. Après, effectivement, au fur et à mesure des années, je voyais mes compères et copains qui devenaient champions du monde, ou alors les générations d'avant. Donc ça donnait envie, après, de là dire que c'était un rêve. Non, je voulais prendre du plaisir. Et après, bon, bah, c'est sûr que le plaisir, pour moi, ça vient en gagnant. Donc sur la fin de ma carrière, c'est vrai que ça devenait un petit peu une obsession d'être champion du monde, soit par équipe, soit en individuel. Je m'appelle Nolan Mediaf, j'ai 28 ans. J'ai été deux fois champion du monde la même année, en 2017. Mon premier titre, c'était sur le 20 km à élimination à Nanjing, lors du premier roller game. C'est un super souvenir. Non, je crois pas que j'ai rêvé d'être champion du monde, mais j'avais plus tendance à prouver quelque chose envers moi-même et envers certaines personnes que de devenir champion du monde. Thomas Boucher, donc membre de l'équipe de France pendant à peu près une dizaine d'années chez les seniors, 4 titres de champion du monde. Alors le premier titre, mon premier titre mondial, qui est en plus ma première médaille individuelle en senior, elle est particulière à plusieurs titres. La première, c'est parce qu'on sortait du championnat d'Europe quelques semaines auparavant, où avec Pascal notamment, on était plutôt passé complètement au travers de notre championnat d'Europe route, où on s'était pris des volées par les Italiens. Et on est arrivé sur ce championnat du monde là avec la confiance de l'entraîneur national de l'époque, Serge Gardère, qui nous avait fait confiance et nous avait pris pour la sélection mondiale. En finale, on se retrouve tous les deux avec contre deux Italiens, Luca Presti et Saggiorato, Joey Montia qui arrivait en senior. Et puis bah, au fil des tours, bah, ça s'enchaînait. Et puis à un moment donné, j'ai vu le truc se passer juste à un tour et demi. J'ai vu que Luca Presti, qui était en tête, freinait. Et que donc il a laissé passer Saggiorato juste à l'entrée du virage et donc faire un coup de frein à main, et derrière c'était fini. Donc je commence moi à prévoir aussi un dépassement. De là, je ne sais pas comment Saggiorato arrive à tomber, je passe. Et là en fait, on se retrouve à la cloche 1 et 2. Et avec Pascal, et donc sur le coup, moi je ne vois pas ce qui se passe derrière, hein. Je file, je jette juste un coup d'œil et je vois que Pascal est souvent pique-corde. Donc je me dis, il me couvre en fait derrière, et ce qui me permet moi de prendre des trajectoires idéales. C'est le tour le plus long de ma vie, je crois. D'autant plus qu'on avait des roues où on se l'est pas dit juste avant la course, mais après la course on s'est dit, moi je collais avant le départ. et au final, bon bah tout se passe bien, j'arrive à aller jusqu'à la ligne, Pascal arrive à prendre la deuxième place, doublé français sur le 1000 mètres. Je m'appelle Yann Guyader, j'ai été 4 fois champion du monde sur la course à points et la course à points élimination. Mon premier titre était sur le relais, c'était en Corée avec Thomas Boucher et Julien Despaux en 2006. Et c'était assez étrange puisqu'on n'était clairement pas les favoris. On avait eu du mal à se qualifier pour la finale et le seul petit espoir qu'on avait, c'était éventuellement de ramener une médaille. Et j'ai eu la chance d'être plutôt bien positionné par Thomas et Julien dans le dernier tour. Et j'avais devant moi Kellen Dobbin, qui à l'époque était le meilleur sprinter du monde. Et on se serait bien volontiers contenté d'une deuxième place. Et finalement, j'ai réussi à le doubler par l'extérieur dans le virage, ce qui était assez épique. C'était favorisé par le fait qu'on avait une piste où on pouvait avoir plusieurs lignes, à l'image de ce qu'on a par exemple à Gujan-Mestras. Et dans un dernier effort, j'ai réussi à le passer. C'était vraiment sympa, parce qu'on n'était pas les favoris. On n'était clairement pas extraordinaire sur le championnat, et on s'y attendait vraiment pas. Je sais que ça n'a pas été une explosion d'émotions ou quoi que ce soit. Ça a pas été. Je me sentais pas très légitime déjà. C'est le problème des fois des relais, je pense, des relais route. J'étais premier relayeur, j'avais pas l'impression d'avoir fait un boulot énorme. Et du coup, c'est un espèce de double sentiment de dire bah ouais, mais il y a quand même le maillot, il y a la médaille d'or. Mais je pense que plus que le titre, ce qui compte, c'est ce que toi tu ressens de toi-même, et il y a un double sentiment du coup de joie là, de joie immense, je suis champion du monde en même temps, ouais, j'ai pas eu l'impression d'avoir fait grand chose. Ça m'a motivé parce que je me suis dit je suis champion du monde, mais je veux plus, parce que dans la tête je pense de beaucoup de personnes, dans l'imaginaire collectif, être champion du monde individuel, je pense que c'est plus qu'être champion du monde en équipe,
peut-être pas pour tout le monde. Pour moi, j'ai l'impression que c'était un peu ça inconsciemment. Et par contre, derrière, c'était bon, bah c'est bien, c'est une première étape. Maintenant, faut concrétiser ça, quoi. Faut faire le chemin pour aller concrétiser et devenir champion du monde individuel. C'est vrai que les victoires, le sentiment qu'on a des grandes victoires, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas. On a plein de joie dans la vie autrement, la naissance de ses enfants et tout ça, mais c'est quelque chose d'un petit peu indescriptible. La victoire, c'est un petit peu le soulagement après avoir fait tant d'efforts pour arriver à son but ultime. Donc voilà, c'est j'irais un petit sentiment d'avoir quelque chose de l'adrénaline et un sentiment de plénitude, on va dire. J'irais peut-être ça comme ça. Bah oui, on en veut toujours plus. Je pense que tous les champions en général, même ceux qui ne sont pas forcément champions du monde, si tu commences à te dire, bon bah c'est bon, j'ai réussi, c'est fait. Voilà, on sait que chaque titre, chaque compétition, il faut être meilleur, quoi. Tout le monde s'améliore. Donc soit si tu ne deviens pas meilleur, t'as aucune chance d'être champion la prochaine fois, champion d'Europe, du monde, champion départemental, bah, chacun son niveau, quoi. Se remettre en question, forcément. Si on se remet pas en question, on progresse pas. Moi, c'est un peu particulier parce que j'ai pas franchi la ligne la première fois que j'ai fait champion du monde. Donc en fait, j'ai été champion du monde, mais je suis resté sur ma faim, on va dire. Et j'étais super content, hein. C'était quand même magique. J'en avais les larmes aux yeux, c'est fou. Mais c'est vrai qu'il manquait ce petit plus, quoi, de passer la ligne et de pouvoir lever les bras et de pouvoir célébrer la victoire. Et je me souviens m'être tourné tout de suite vers le centre de la piste où il y avait Thomas et Julien, et je me souviens qu'il y a une photo qu'on voit sur internet où on est tous les trois enlacés dans cette ligne droite opposée. Et voilà, c'est vraiment l'image que j'en ai, c'est tout de suite de me retourner vers les gars en se disant merde, on l'a fait, quoi. On a réussi à faire un truc qu'on n'imaginait même pas possible. J'essaye de me reconcentrer parce que derrière il y a un championnat route, il y a un marathon, mais les premières choses qu'on fait en fait, c'est qu'on appelle ses amis, on appelle sa famille et puis on essaye de réaliser, quoi. C'est sûr que la première nuit, non, elle est folle, on dort pas la première nuit. Enfin, moi j'ai pas dormi en tout cas. Sentiment de bonheur, de réussite, de partage, puisqu'on a, on était en équipe de France, donc c'est des moments qu'on vit aussi en groupe. De la fierté aussi, il y avait mes parents, il y avait mes cousins, enfin voilà, il y avait une grande partie de ma famille qui était là. Donc voilà, beaucoup de fierté effectivement sur ce moment-là, et d'avoir pu aussi délivrer et de leur faire vivre cette expérience-là, qui était incroyable pour moi, mais également incroyable pour eux. Beaucoup de joie, énormément de joie, parce que quand j'ai passé la ligne, je suis arrivé en deuxième place derrière Alexis, et du coup, j'ai eu un cri énorme de joie. Surtout que la veille, on m'avait frustré, j'avais pas pu courir la course à élimination, donc j'étais frustré, donc là, c'était une belle revanche, en fait. Et ouais, j'avais énormément de joie. Après, je me souviens, parce que tout s'est passé assez vite, parce que derrière, j'ai dû aller au contrôle antidopage, et puis en même temps, tout le monde essayait. J'avais pas vraiment le temps de partager de bons moments avec les gens qui étaient là, notamment ma famille. C'est dur, ça. L'émotion, elle est tellement forte que... Ouais, je me dis, je l'ai fait, je les ai eus, quoi. J'avais un plan de course et il se déroule comme je l'avais prévu, et tu te dis, ouais, je l'ai réalisé, quoi. Je pense que si j'avais exposé à tout le monde 5 minutes avant le départ, personne n'y aurait cru, quoi. Et moi, j'avais ça en tête, quoi. Et tu te dis, ouais, c'est fait. C'est vraiment fait, quoi. Déjà, j'ai passé la ligne, je pensais que je l'étais. Parce que ça s'est fini au lancer de patin, ça s'est gagné à pas grand chose. Après, quand j'ai su que c'était nous, c'est sentiment énorme. Ewen l'avait déjà été, du coup, l'a moins vécu aussi fort que moi, quoi. Darren, c'était sa première fois aussi, mais c'est pas lui qui a terminé. Du coup, ça met un petit peu des choses, c'était différent. Mais quand j'étais sur un petit nuage, c'était un truc... il pouvait rien m'arriver, quoi. Le problème qu'il y avait, c'est que je ne savais pas que j'étais champion du monde. Puisqu'on est passé, disons, très juste l'un de l'autre avec le pied en avant. Donc, il fallait attendre la commission des juges pour
pour savoir qui c'est qui serait champion du monde. Et là, c'est l'attente. On ne sait pas si c'est un, si c'est l'autre, on ne sait pas, on attend. Puis après, c'est tombé. Mon président est sorti, là, puisqu'il faisait partir des juges internationaux, des SPAX. Et alors, il est sorti, bon, il a dit, c'est François de la Chambre qui a gagné. Voilà, et puis c'est là que la foudre tombe, tu t'écroules, tu dis, bah ouais. Tu réalises pas tellement, hein, tu pleures, tu es content, mais c'est un bon moment, un très bon moment, mais on ne sait pas. Hein. C'est le moment, c'est exceptionnel ce moment. Surtout dans une époque comme la nôtre, c'était un sport qui était peu connu et tout. Tu pars, t'es gosse, tu arrives 17 ans et demi, tu reviens des champions du monde, ça change quand même l'esprit du bonhomme après. Ah oui, l'émotion elle est là quand même, et peut-être d'autant plus que c'est par équipe, parce qu'en plus on le partage vraiment, quoi. On peut se serrer dans nos bras, on peut se dire, on peut se re-raconter la course, enfin c'est... et s'en réjouir quoi. Alors en ce qui me concerne, je suis assez... pas pragmatique, mais voilà, je pense que quand j'ai souvenir d'avoir passé la ligne et de m'être dit, voilà, ça, c'est fait. Quand je passe la ligne après mon premier titre, donc en 99, là, c'est d'abord un sentiment de libération, en fait, parce qu'il y a tout le travail accompli, c'est des années d'entraînement. J'ai dû commencer à m'entraîner, j'ai été minime, c'est-à-dire je devais avoir 13 ans. Et quand je crois que j'ai 23 ans quand je prends mon premier titre, quelque chose comme ça. Donc ouais, il m'a fallu 10 ans d'entraînement quotidien. Donc il y a une forme de libération qui apparaît, c'est un soulagement. Il y a tout le corps, il se relâche, un petit bonheur instantané et un sentiment de mission accomplie. Voilà, c'est mission accomplie, voilà, 10 ans de travail qui se concrétisent juste en une fraction de seconde au moment où on franchit la ligne. On pourrait croire que d'abord on est juste simplement heureux, mais honnêtement, le sentiment que j'ai eu à ce moment-là, c'est bah, c'est normal. Pour moi, c'était normal. J'avais mis en place tout ce qu'il fallait pour être champion du monde. Donc, j'étais même surpris que ça soit pas juste du bonheur. C'était juste, bah, c'est normal. T'allais être champion du monde, tu savais pas quand. C'était aujourd'hui. Donc, faut profiter que j'avais du coup le niveau pour être champion du monde. Et j'ai essayé de me reprojeter tout de suite dès le lendemain. T'as gagné aujourd'hui, tu peux regagner demain. J'ai eu une démarche après qui était, à mon avis, d'ailleurs pas la bonne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis devenu bon, et que j'ai compris que je pouvais gagner de manière régulière, et dans beaucoup de conditions, ouais, pas mal de fois, je me suis trouvé à courir pour ne pas perdre plutôt que pour gagner. C'est quand même une démarche complètement différente, et du coup, ça m'empêchait de me projeter sur les événements à venir, parce que j'étais dans c'était de la gestion de risque, en fait, de la gestion de crise, c'est-à-dire comment il faut que je fasse pour ne pas perdre. Et on n'est pas du tout à se dire comment je vais faire pour gagner cette course et les autres. Donc non, je me suis jamais vraiment projeté en me disant comment je vais faire pour en gagner 2, 3, 4, 10. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je n'en ai pas gagné beaucoup d'ailleurs. Bah sur le premier titre, forcément, que bah Pascal m'a aidé à gagner, puisque comme je le disais, par rapport à la tactique, je me suis bien rendu compte au moment de la course, au moment du dernier tour, j'ai bien senti qu'il faisait une action, parce que je le voyais corde et je le voyais avec d'autres un peu en roue libre. Donc, alors que moi, je montais, je construisais un peu, donc je me disais bien qu'il était en train de... Bah, soit lui pour garder sa place parce qu'il pouvait, soit pour me permettre d'avoir de l'avance. Je savais pas trop à ce moment-là, mais je savais bien qu'il se passait quelque chose. Bon, après la course, bah, forcément, ça s'est confirmé que forcément il avait fait un travail... d'équipier, on avait toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que celui qui se retrouve en position de gagner, bah, on l'aide. Mon premier titre, c'est avec les copains, les potes, et puis la deuxième, et bah, moi je dis merci à mes coéquipiers, quoi. C'est une course d'équipe, ils ont freiné le peloton. Bon, bien sûr, on fait ça, vous savez tous, dans les règles de l'art, faut pas faire de faute et tout. Non, moi je dis d'abord merci à moi-même et puis à toute ma préparation, à mes coachs, à ceux qui m'ont donné envie de faire ça, mais un grand merci à tous mes potes. Et je ne suis pas de nature individuelle, donc pour moi la victoire elle est obligatoirement collective et elle n'est pas collective que par tes collègues qui courent avec toi dans la course, elle est aussi collective dans, dans, notre, dans,
dans notre équipe de France. Bah clairement sur le marathon, ouais, je vais les nommer parce que ça me fait plaisir de penser à eux, que ce soit Bastien, Doucelin, Valentin, Flavien, Martin, Timothy et Elton. Bah, ils m'ont tous aidé, ils ont tous fait un moment leur part de boulot. Et c'est vrai que sans eux, j'aurais sûrement pas été sur la première marche. Mais en même temps, j'ai aussi envie de dire qu'ils étaient là pour ça, parce que la course ne tournait pas en faveur des Français et que sur un sprint, on avait de bonnes chances avec Elton et moi. Et donc du coup, fallait ramener le peloton sur l'échappée et ils ont fait leur part du boulot, quoi. S'il avait fallu que je cours pour lui aux 5000 mètres, je l'aurais fait, quoi. Ouais, c'était prévu comme ça et s'il y a bien quelque chose que... Même avec le temps, et ça on parle de presque 40 ans, je pense avoir toujours plus respecté les coureurs en équipe de France que ce qu'eux m'ont respecté, quoi. Après, moi j'ai toujours été content d'être en équipe de France, tout simplement parce que c'est... Au-delà d'être des coéquipiers, on était déjà des amis, parce que ça fait des années qu'on était ensemble en équipe de France. Après, moi j'ai la chance de gagner sur une course d'équipe, donc je pense que bon, c'est plus facile de gagner quand on est soudé. Donc nous, on a toujours été soudés, les stages, ça se passait extraordinaire. Que ça soit sur la partie sprint ou la partie fond, on était tous ensemble, on était contents d'être ensemble, il y avait une cohésion. On essayait de s'entraider, que ce soit à l'entraînement ou pendant les courses. Au-delà de l'aspect compétition, on était surtout des amis, je pense. Je pense que pour tous, c'était ça. J'étais tout seul devant, donc il n'y a personne, il n'y a que moi, un Français, un Italien, un Nouvelle-Zélandais. Enfin, je me suis débrouillé tout seul, disons, puisque les équipés, les autres, ils étaient à la ramasse, comme on dit. L'année après, j'ai aidé les autres. Par le gars qui s'échappe, qui veut revenir sur quelqu'un, puisque ils étaient... Léonard, il était parti avec Guardigli. Comme je savais que Guardigli, il n'allait pas le battre parce que l'autre c'était un sacré sprinter. Et chaque fois qu'il y en a un qui voulait repartir pour revenir, moi, tac, dans la roue. Ça épuise. Hein. C'est le rôle qu'on te donne. Hein. Tu fais la course pour toi, on l'a fait. Et puis après, tout dépend où c'est dans la course. On court pour toi ou pour celui le mieux placé. Bon, mais si le gars est mieux placé, tu fais le rôle d'équipier. Alors sur les 8 titres de champion du monde, plusieurs fois, je gagne pas tout seul. Et notamment le premier titre de champion du monde en 99, ben, je gagne la finale, mais je gagne la finale parce que je suis avec Franck Carnin dans la demi-finale, et à 20 mètres de la ligne, lui il est deuxième, moi je suis troisième, donc je suis même pas qualifiable à ce moment-là pour la finale. En théorie, c'est lui qui va en finale. Et c'est inoubliable parce que le sens du sacrifice qu'on avait, il s'est relevé et il m'a laissé passer en finale. Aussi parce qu'il savait peut-être que j'avais plus de chances de gagner la finale, mais ça veut dire qu'il a été capable de sacrifier certainement même, je crois, sa première médaille mondiale pour que moi j'aille chercher un titre derrière. Donc ouais, sans un équipier ce jour-là, j'aurais pas gagné, ça c'est sûr. Oui, moi, dans les courses d'équipe, j'ai deux autres beaux souvenirs. On est au championnat d'Europe, alors je ne vais pas me rappeler de l'année, mais on commence à faire partie des vieux cons. Et il y a une jeune génération qui arrive, les Pascal Gravouille, Philippe Poirier, et ainsi de suite. Et moi, sur le championnat d'Europe, je me rends compte que je suis un peu un ton en dessous de ces jeunes-là, et je suis amené à faire une des premières courses avec Philippe Poirier. Et je suis un peu le capitaine de route sur cette épreuve-là. Et je lui dis, bah, écoute, tu vas m'écouter, tu bouges pas, tu restes derrière moi, et je te sortirai du peloton et tu auras juste la fin à faire. Et il me fait confiance, et ça marche. Et je crois que c'est sa première course et il est champion d'Europe. Grande majorité du temps, j'ai eu quand même des super équipiers qui m'ont aidé sur les courses. Je pense notamment à Alain Nègre sur ma première partie de carrière. C'est vrai que j'ai chapeau pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire que lui, il n'avait pas de titre, pas de médaille, et il se sacrifiait en emmenant toute la course devant. J'étais juste derrière, et puis
Je ne sais pas jusqu'à quel point j'en étais conscient, je pense que je l'étais à cette époque-là, mais en tous les cas, maintenant, c'est clair que je me rends compte, ça, c'est pas facile d'être coéquipier, d'autant plus si on n'a pas sa chance après. Mais à un moment, quand on donne d'un côté, c'est aussi ma philosophie, on a un retour après, c'est-à-dire qu'à un moment, quand on donne, on reçoit, quoi. Dans le monde du roller, quand les petits te regardent, ils savent que tu as été champion du monde. Tu lis dans leur regard qu'ils ont envie d'être comme toi, ou qu'ils t'admirent, ou qu'ils sont très contents juste de te voir. Donc on peut appeler ça de l'amour, je pense. Par contre, bah, c'est sûr que quand on est champion, faut vite un petit peu retomber de son piédestal, parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on a raison. On peut dire quelqu'un qui est champion du monde avant ou maintenant, il peut dire la plus grosse connerie du monde, les gens vont dire « ah ouais, super, c'est bien ». Alors que bon, avec un petit peu de recul, bon, bah, des fois, c'est pas parce qu'on est champion qu'on a toujours raison. Hein. Je pense que en fait, c'est plus le regard des gens qui change, et notamment le regard des adversaires aussi qui change en disant « bah maintenant ils vont se méfier de nous, ils vont voilà quoi, ils savent qu'on est présent, qu'on peut gagner ». Et c'est surtout le regard de nos adversaires qui nous importe le plus, c'est là qu'on voit qu'il y a des gros changements en fait, on change de statut en fait. Je dirais que les gens me regardent plus. J'arrive par exemple aux trois pistes, j'arrive à une course, les gens vont me regarder patiner, vont regarder ce que je fais, machin. De là à dire si je me sens plus aimé, ça m'importe pas vraiment en fait, parce que je le fais pour moi. Et c'est vrai que ma construction a été faite étape après étape après étape, et je me suis construit dans la tête pour réussir en solo quoi. Et du coup, après, de là à dire si je me sens plus aimé, sûrement que je suis plus aimé. Du moins, les gens m'admirent plus par ce que je fais, par les performances, par... Oh, c'est une question compliquée. Des preuves d'amour, j'en ai eu, oui. On rentre de Nouvelle-Zélande, je me rappelle. Mes parents viennent me chercher à la gare de l'Est, parce qu'on rentre via Amsterdam, on prend le train. On a passé le réveillon de Noël dans l'avion, on arrive... On arrive en France, c'est encore Noël, et mes parents ne s'arrêtent pas à la maison. Ils descendent, il y a tout le club qui m'attend. Alors, des preuves d'amour, avec beaucoup d'émotion, j'en ai eu. Non, c'était que du bonheur. J'ai eu quelque chose que les autres n'ont pas, c'est tout. Après, il faut rester, disons, humble. Pas disons, non, j'ai toujours resté moi-même. Mais je pense que ça m'a aidé, ouais, à ce moment-là de ma vie, j'en avais besoin pour m'aimer plus. Je sais pas si c'est pour m'aimer plus ou si c'est pour ouais, ce soulagement, cette confiance en moi. J'avais besoin de faire quelque chose qui me valorise, où je me sente un accomplissement je me dis ça, voilà, ça c'est du concret, c'est ce que je vaux dans tous mes efforts, et ils ont réussi à se concrétiser. Donc je suis même pas, ouais, quelque part du coup on s'aime un peu plus, oui, si. Mais moi ça a vraiment été me délester du poids de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver, ça m'a délesté d'un poids quoi. Ce qui flatte l'ego, mais ce qui à un moment donné aussi peut faire pas perdre les pédales, mais à un moment donné, on prend un peu le melon et puis on est plus un peu trop les pieds sur terre, parce que tout le monde nous dit vous êtes les plus beaux, vous êtes les plus forts, et puis alors que finalement de temps en temps, ce qui est bien, c'est de se prendre une bonne baffe et puis de dire mais attends, ok, t'es champion du monde, c'est bien, c'est super, mais à un moment donné. Tu restes quelqu'un comme un autre, et c'est pas ça qui fait l'homme. C'est plutôt tout ce qui est à côté dans son quotidien qui fait le sportif qu'on est, et pas simplement le résultat. Et j'avais une personnalité assez polarisante, et je pense que j'ai été tout autant détesté quand je gagnais que je n'ai été aimé. Et puis d'un point de vue plus personnel, je pense qu'il y a aussi beaucoup de coureurs qui ont bénéficié de ça pour avoir des relations intimes et bénéficier de leur statut de champion.
moi ça m'a jamais permis de concrétiser quoi que ce soit, donc non, je crois pas m'être senti plus aimé. Par contre, il y avait certainement cet esprit de reconnaissance, plus que d'amour. Le fait de se dire que voilà, t'es reconnu, et derrière la reconnaissance, sans doute le respect. L'injustice la plus importante pour moi, je pense. D'avoir été perçu par beaucoup comme, alors j'ai employé un mot que je ne devrais pas utiliser, mais il y en a beaucoup qui me voyaient comme étant un connard, c'est le mot. Et je crois que j'ai pourtant été toujours hyper gentil. J'étais profondément gentil, mais ça ne se voyait pas. J'ai fait plein de choses pour pas mal de monde qui ont été utiles et qui démontraient que j'étais humain et que j'étais vraiment tout sauf ça, quoi. Le fameux connard. Il y a eu Claire Yblefeuve quand j'étais jeune, qui m'a beaucoup apporté. Ensuite, il y avait un petit peu Xavier Douot sur certaines courses, mais après, principalement, après il y a eu Christophe Audouard, voilà, qui m'a aussi énormément apporté, qui a été mon entraîneur pendant quelques années. Ensuite, j'ai fait mes programmes tout seul, je me suis entraîné pendant un ou deux ans aussi tout seul. Et ensuite, bien sûr, Alain Nègre, qui m'a entraîné plusieurs années, avec qui voilà, j'ai aussi appris énormément. Puis, le rôle d'entraîneur, c'est surtout d'être un bon accompagnateur. Bien sûr, on apprend des choses au niveau technique, tactique, mais bon, c'est plus quelqu'un qui va nous comprendre, nos défauts, nos qualités. J'ai eu deux entraîneurs. Je pense que deux entraîneurs. Donc mon père qui m'a initié carrément, qui m'a mis sur les rollers très petit, et qui a continué de me suivre jusque mon adolescence. Alors mon père c'était un coach technique, très technique. Ce qui nous poussait beaucoup, parce que pour lui c'était un outil vraiment important dans la vie, mais dans toutes les facettes de la vie, dans beaucoup de facettes de la vie, quoi. Et après j'ai eu une période à l'adolescence où bon, il était là, mais j'essayais un peu de m'émanciper. Je suis rentré au pôle à 17 ans, où j'ai eu après derrière mon seul autre entraîneur, qui est Mathieu Bauer, qui est toujours entraîneur du pôle d'ailleurs, qui a été, bah, comme mon père, qui était, je pense que ça a eu un rôle majeur. Ça a été 4 années vraiment décisives, où je suis passé d'un mec qui s'entraînait une fois par semaine, et encore quand il avait envie, et qui devait réussir à s'entraîner une dizaine de fois par semaine. Et ça, pour réussir à faire ça, je pense que l'entraîneur doit être costaud quand même. Mais je pense que oui, forcément, maintenant, avec beaucoup de recul, je le remercie de m'avoir poussé un peu. Ça a été mon père qui nous a mis dedans, je dis nous, parce que avec mes frères, je me mets dans le même sac. Il nous a mis dedans, et il nous a entraînés, il nous a donné cette rage de vaincre. Et il nous a fait faire tout ce qui était possible et imaginable pour développer sa technique, la technique qu'il voulait voilà, pour le roller. Donc pour moi c'est mon père, le gros entraîneur de toute ma carrière. Et après il y a eu beaucoup de personnes qui ont participé à mon développement en tant qu'athlète. Donc pour les citer, j'avais eu déjà mes sélectionneurs, hein, donc Thierry Zoka quand j'étais en minime cadet. Ensuite il y a eu Sandrine Rabot. Ensuite j'ai fait un stage avec Vincent Morvan, ça m'avait bien plu. Ensuite je suis parti au pôle avec Mathieu Bauer. Tous étaient des patineurs, des anciens patineurs. Donc j'ai pas toujours eu une super bonne relation avec mes entraîneurs, parce que j'étais un peu un adolescent, un peu rebelle, on va dire.
Les entraîneurs, ce qu'ils m'ont amené, eh ben, ils m'ont amené la correction du geste sportif, l'amélioration de la préparation physique, et c'est passé par les entraîneurs de clubs, les entraîneurs eh ben, un peu régionaux, parce qu'à l'époque, on était en équipe Île-de-France, enfin tout ça, et puis bien sûr, les entraîneurs nationaux, ils étaient vraiment à l'heure du temps, de ce temps-là, l'amateurisme, ils vous comprenaient, mais attention, des fois on en prenait plein la tronche, hein, mais à côté de ça, il y avait toujours une bienveillance, une sagesse, et puis une fermeté, quand t'es bon, ils te le disaient, mais quand t'étais nul, bah ils te le disaient, hein. C'était génial, on était vachement bien encadrés, même si des fois... il nous gonflait un peu, hein, faut dire les choses, hein, mais c'était tellement génial et puis une ambiance. Tous mes entraîneurs, bon, déjà on a quand même marré par mon club, donc il y a la famille Papin, mais qui est assez large, il y a Xavier, Gwenaël et Freddy Papin, donc qui sont fondateurs du. En gros, Xavier Papin qui est fondateur du club de Bouaille, en fait, c'est Camandin qui était repris par ma mère, c'est bah, le club de cœur, hein, jamais changé de club, jamais de structure, toujours en bleu et blanc. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner avec les gens de Saint-Sébastien, notamment la famille Garand, et aussi Thomas Boucher, parce que en fait, je garde un très bon souvenir des frères Garand, mais notamment un moment passage clé, l'année où je suis arrivé en minime, 2003-2004, mais plus 2004, quand Pierre et Garand et Thomas Boucher m'ont pris en main et qui m'ont vraiment fait découvrir le haut niveau, quoi. C'est là que j'ai gagné mes premiers titres de champion de France. C'est là où j'ai aussi gagné la même année mes premiers titres de champion d'Europe, où j'ai enchaîné. C'est aussi eux, parce qu'eux ils étaient assez jeunes, hein, ils n'ont que 8 ans de plus que moi, donc ça restait quand même des entraîneurs assez jeunes, donc ils devaient avoir 23-24 ans en fait, par là. Donc de pouvoir les côtoyer, ça m'a aidé à progresser. Ensuite, je suis rentré au pôle études de Nantes, au pôle France du coup, où du coup je me suis retrouvé à m'entraîner avec Thomas et Pierre qui étaient encore au pôle. Donc ça m'a fait un peu bizarre qu'ils étaient mes entraîneurs et du coup, bah, d'un coup je change de statut, je passe à m'entraîner avec eux. Avec Christelle Boucher comme entraîneur, puis après mes études, je suis passé avec Alain en tant qu'entraîneur national. Mais après, j'ai eu plein d'autres gens qui m'ont apporté, qui m'ont conseillé en dehors de ces personnes-là. Et moi, j'aime bien écouter aussi les conseils des autres personnes. Je pense que tout conseil est bon à prendre et qu'on en apprend tous les jours. Ben oui, j'en ai pas eu beaucoup. Hein. Mon premier entraîneur, qui a été le créateur, ils étaient deux, mais ça a été et c'est d'ailleurs le papa de Nolan Bediaf, c'était Eladi Bediaf qui a créé le club en 1985 à Lamballe. C'était un binôme finalement, c'était Eladi Bediaf avec Michel Le Guillou. Voilà, Michel Le Guillou, un personnage emblématique des années 90 du roller, qui arrivait avec des méthodes complètement nouvelles au niveau de l'entraînement et qui a su d'ailleurs sur les années suivantes vraiment créer un véritable, certainement même un des premiers groupes d'entraînement de haut niveau amateur, hein, j'entends. Donc oui, je me rappelle bien de Michel parce que déjà c'est Michel qui m'a fait grandir, qui m'a inculqué aussi toutes les valeurs de travail. Il y a mes parents, il y a aussi Michel, d'humilité. Et oui, forcément, je peux pas oublier tous ces entraînements, quelles que soient les conditions météo, derrière le coffre de la voiture de la R25 sur les routes départementales. Donc ça, voilà, ça faisait même peur à mes parents, qui évitaient de le raconter à leurs amis pour éviter qu'on ait des problèmes. Mais oui, je m'en rappelle bien. Ensuite, il y a eu mon passage à l'INES, avec mon arrivée sur Nantes, où j'ai rencontré et connu Christophe Audouard, avec qui plus tard je vais passer beaucoup de temps. Mais à ce moment-là, j'ai que 17 ans et je rentre en fait au pôle espoir de la Joinolière à Nantes. Et voilà, là on commence à rentrer sur des entraînements plus structurés, avec des présences fortes physiquement à l'entraînement. Donc oui, je m'en rappelle bien. Et puis ensuite, on a été un petit peu avec Pascal, puisqu'on fonctionnait plutôt en binôme.
on a plutôt été autodidacte sur le reste. Donc oui, ils m'ont fait grandir, ils m'ont inculqué un paquet de valeurs que j'ai toujours aujourd'hui dans ma vie privée, à la fois avec, dans mon boulot, avec ma femme, avec mes enfants. Donc oui, merci à vous. Ouais, je les connais tous. Je suis passé d'abord à Quintin, Mimi Le Golen. Hop, après Mimi Le Golen, c'était l'école de patinage. Je suis à Quintin, Christian. Après, je suis parti à Guingamp parce qu'à Quintin, les structures n'étaient plus assez importantes. Hop, Guingamp, Brigitte. Après Guingamp, il a fallu que j'aille à Nantes. Et là, je suis allé avec Pascal Briand. Il y a eu des réorganisations, Arnaud. Après Arnaud, j'ai enchaîné sur le pôle de Bordeaux puisque je suis parti faire mes études à Bordeaux. Mathieu. Je me suis retrouvé un an tout seul, quasi. Et après, Alain. Mais j'en ai pas eu beaucoup des entraîneurs. Très rapidement, je suis devenu l'entraîneur du club, très jeune, même très jeune. Enfin, on s'est construit un petit peu tout seul. Dans les entraîneurs, je veux dire qu'il y avait le plus compté plus moi, c'était plutôt des partenaires qui étaient plus vieux. Je pense notamment à Joël Surier, voilà, qui vient, qui organise un peu des entraînements entre les clubs du coin, Champagne, Veneux et ainsi de suite, et où moi, jeune cadet, je vais m'entraîner avec eux. Et puis, en équipe de France, voilà, il y a un monsieur avec qui c'était assez difficile, mais qu'à compter, c'est monsieur Perron. Parce qu'il nous a fait passer un message. Alors, il avait sa pédagogie un peu rentre-dedans quand même, mais où il fallait s'entraîner plus, quoi. Et il nous a fait prendre conscience de ça, sur le volume d'entraînement qu'on avait à absorber si on voulait envisager d'être concurrentiel à l'international. Et cette jeune équipe dans laquelle il y a son fils assez rapidement, mais de notre génération, ben on a doublé, triplé le volume d'entraînement en l'espace d'un an ou deux, quoi. Et ça a marché. À un moment, les entraîneurs, je me rappelle, j'en ai eu qu'un. C'est avec deux, le président, qui faisait les fonctions d'entraînement papier, lui, et Robert Marc, qui est le conseiller. Je n'en ai pas eu d'autres. Hein. Surtout, ce que j'ai retenu à lui, c'est que je l'ai copié. La façon de patiner, la façon de croiser, la façon de te tenir, comment il faisait, comment il attaquait, tout. C'était une façon de photographier tout ce qu'il faisait. Et c'est à cause de ça que je, tout petit, je marchais à 14 ans, en cadet, je courais le senior, moi. Je l'ai batté. Parce que c'était Robert qui m'avait éduqué comme ça. Un beau jour, l'élève, il devient plus fort que l'entraîneur. Alors là, c'est là qu'est le problème. Et le problème, il a été là. Parce que lui, il voulait être. Surtout, il voulait être champion de France, vitesse. Et moi, bête et jeune, comme l'autre, je lui ai dit un jour, ta vitesse en senior, tu ne l'auras plus. Hein. Alors qu'est-ce que je lui ai dit ? Je pensais à l'école de patinage, c'était avec Sophie et Jean-Emmanuel Urien, à Rezé, du côté de Nantes. Après, je suis allé à Grenade, voilà, José Barbosa, Louis Pujos, Philippe Riolette, Eddy Rousse. Après, il y a eu Sandrine Rabot au pôle de Bordeaux, Thierry Zoka, Richard Degnaud, et Mathieu Moeur, Arnaud Gicquel. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Bah, quelque part, chacun d'entre eux m'a appris quelque chose, en fait. Hein. Parce que déjà, tous, non, presque tous, étaient bénévoles, en fait. Donc déjà, rien que ça, cet engagement au quotidien, parce qu'on est quand même sur des carrières où il fallait s'entraîner tous les jours, cet engagement au quotidien de la plupart d'entre eux pour faire réussir des patineurs, ou en tout cas les faire avancer, parce qu'on n'était pas tous voués à être champions du monde, c'est déjà ça, c'est un apprentissage, je trouve, de dévouement pour les autres. Donc, et puis après, bah, sur l'aspect technique, il y a eu plein de choses. Moi, je trouve que mon premier entraîneur qui m'a appris techniquement, c'était Philippe Riolet, donc un ancien champion de roller junior aussi. Et lui, il m'a prouvé que j'étais capable de progresser déjà. Que j'étais pas voué à être nul toute ma vie. Ce qui n'était pas gagné. Et on a vraiment franchi les étapes petit à petit, à force de bosser. Ouais, moi j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu que deux. C'est vrai que c'est pas beaucoup dans une carrière.
J'ai eu donc Alain Guiteau, mon premier entraîneur, qui m'a permis d'arriver au niveau. Donc je suis arrivé dans mon club, j'avais environ 5 ans, donc c'est lui qui m'a mis un peu sur les patins à roulettes à l'époque, hein, c'était pas les rollers, pas encore. Après je suis passé sur les rollers et donc c'est lui qui m'entraînait 3 fois par semaine, qui prenait le temps. Donc comme dans beaucoup de clubs, hein, il était bénévole, ça permettait de faire rouler les enfants. Et après je suis parti sur le pôle de Nantes, donc le sportif de Nantes, où je suis passé sur un entraînement donc journalier, donc un par jour minimum avec Christelle Boucher. Et après c'est vrai qu'elle qui m'a permis d'arriver au haut niveau, donc elle m'a pris à l'âge de 13 ans. Donc là où vous commencez aussi à faire des bêtises, donc voilà, c'est important d'avoir quelqu'un qui vous recadre, c'est ce qu'elle a permis de faire. J'ai commencé à l'emballe, donc il y avait Isabelle Jamais au tout début. Donc j'ai commencé en 99, après ça a été Benoît Talbourdet, mais aussi les grands qui nous aidaient, donc Jean-Marc Alain, j'ai plus son prénom, mais Ferreira. Après, quand je suis descendu, quand je suis passé au centre d'entraînement, Vincent Morvan, avec qui je suis resté très proche et avec qui je dirais j'échange beaucoup. Il a un regard que j'aime bien sur mes performances ou même sur le roller en général. Après, je suis descendu à Toulouse, donc il y a eu Mathieu Barraud, Pascal Briand. Les coachs en équipe de France, on ne les oublie pas non plus. Moi, je les oubliais, Sandrine Rabot, Thierry Zoka, Arnaud Jiquel et puis le dernier, celui qui m'entraîne en ce moment, Alain Nègre. Mais c'est vrai, j'ai jamais dit merci réellement à ceux qui m'ont aidé ou qui m'aident encore. Et donc, du coup, on profite, merci à tous. Alors j'ai eu quand même pas mal d'entraîneurs et je m'en rappelle, je pense, de tous. Alors mon premier entraîneur, c'est lui qui m'a mis sur les rollers en fait, c'était Christophe Poulmoin au Rax-Saint-Brieuc. C'était dans la salle du lycée Saint-Pierre, une toute petite salle, et c'était des patins à quad à lanière à l'époque. Et c'est lui qui m'a appris à patiner en fait. Ensuite, apprendre à faire de la course, c'était Goulven Manac. C'était toujours le même club au Rax-Saint-Brieuc et c'est Goulven Manac qui m'a appris à faire de la course. Il m'a appris à aimer la course en fait, et ça c'était quelque chose d'important. Ensuite, quand j'ai commencé à devenir plus ambitieux, c'est Michel Le Guillou. J'ai changé de club et c'était sous les ordres de Michel Le Guillou, et lui il m'a appris à devenir encore plus ambitieux, il m'a appris à m'entraîner dur, il m'a appris à pas me plaindre et à travailler en équipe, et il m'a transformé pour le haut niveau, on va dire, pour le haut niveau et pour l'excellence. Donc ouais, il m'a donné la culture de la compétition, la culture de la gagne. Je pense que j'étais pas naturellement quelqu'un qui aimait gagner. Alors j'aimais gagner dans tous les jeux quand même, mais j'étais pas hyper hyper ambitieux. Et là, sur cette période-là, ça m'a vraiment transformé, ça c'est clair. Ensuite, il y a eu Christophe Audouard, quand on était proche pour les équipes Salomon. C'est Christophe Audouard qui nous a appris surtout en fait le côté professionnel. Le côté aussi gestion de son image, et le côté gestion tactique et gestion de carrière, il nous a apporté, je pense, que tout ce côté-là. Donc ça, voilà, c'est sur la partie, on va dire, hors équipe de France. Après, en équipe de France, j'ai eu plusieurs entraîneurs, alors chez les jeunes aussi. Mais on va, pour simplifier, je vais surtout parler des entraîneurs que j'ai eu en senior. En fait, ça a commencé par Charlie Lucas, et c'était le tout début du patin en ligne. Donc il avait été recruté, c'était un entraîneur américain qui avait été recruté. Et il nous faisait faire quasiment que de la technique. Donc on venait de passer des patins traditionnels aux patins en ligne, et du coup on ne savait pas vraiment bien patiner. Donc à l'époque c'était les Américains qui étaient un peu en avance là-dessus, et il nous a appris toutes les bases, on va dire, de la perfection technique quelque part, et de l'exigence à vouloir répéter le même geste pour le rendre précis. Et je me rappelle d'énormément de séances avec des stages à Font-Romeu, où quasiment tous les matins on faisait les mêmes programmes avec des petits cercles, des grands cercles pour apprendre à bien croiser. Donc voilà, Charlie Lucas, il a été un personnage important pour me sensibiliser à la technique. Et ensuite, il y a eu Serge Gardère sur quasiment toute ma carrière aussi, qui était exceptionnel dans le sens où il vivait dans le présent. Et il était capable de prendre les bonnes décisions au bon moment et d'aligner du coup les meilleurs athlètes du moment. Des fois, il oubliait un petit peu le mérite de la saison parce qu'il sentait tellement bien qu'il était en forme le jour J,
Et il avait cette magie-là, et je pense que ça, c'était une qualité très très importante pour un entraîneur équipe de France, dans le contexte du roller de l'époque. Alors les entraîneurs qui m'ont le plus marqué sont des entraîneurs qui m'ont fait passer un cap, quelque part, pour accéder au niveau, que ce soit sur mes premières médailles européennes et mondiales aussi. Donc j'ai eu Serge Gardère, qui a été entraîneur de club, et aussi entraîneur-sélectionneur des équipes de France, au début avec Franck Perron. Et ce sont eux, très clairement, qui m'ont pris, je me souviens très bien de ces entretiens individuels, et qui m'ont dit, là, il faut que tu te fixes des objectifs très clairs sur les championnats du monde, il faut que tu ailles chercher une médaille. Moi, j'étais pas forcément centrée. J'avais pas l'objectif d'une médaille, j'étais déjà être dans les 5 ou 10 premières, mais ce sont vraiment eux qui m'ont fait passer ce cap-là, de dire, oui, tu peux aller chercher une médaille. Et puis derrière, une fois que tu as une médaille, bah, tu peux aller chercher le titre. Compliqué, parce que ce serait un peu excessif, mais je pense que mon entraîneur, c'était pas mon deuxième père, mais c'était vraiment la personne qui m'a permis d'avancer. J'ai eu mon premier entraîneur de club qui lui m'a appris à patiner. Après, mon deuxième entraîneur de club m'a appris à m'entraîner, à me dépasser, à réfléchir. Ça a vraiment été un élément moteur dans ma préparation. Voilà, un champion, il a des coups de cafard, il a des coups de plus, il a des fois une certaine fainéantise dans l'effort et dans la compète. L'entraîneur, il est là pour le mobiliser. Donc mon entraîneur de club, ça a été vraiment un élément majeur. Ensuite, j'ai eu deux entraîneurs. J'oublie pas les entraîneurs nationaux pendant mes périodes d'équipe de France jeunesse, hein, mais on n'était pas dans le même modèle. Mais mes entraîneurs nationaux sur les équipes de France seniors, d'abord Dominique Sanchise, qui a confirmé la rigueur d'entraînement que je m'imposais avant, une méthode, un engagement, et puis des modèles de recrutement, de sélection qui ont vraiment structuré une façon de s'entraîner. Ça a permis de donner de la méthode, et du coup d'être moins dans d'avoir une bonne base. Et du coup, avec cet entraîneur-là, avec Dominique, c'est mes premiers titres de championne d'Europe et mes premières médailles au championnat du monde. Par contre, je pense que l'entraîneur américain, qui est arrivé après Charlie Lucas, il a amené pour moi la note de folie qui me manquait. Alors, mon père, dans un premier temps, jusqu'à mes 17-18 ans, après, il y a toujours eu des discussions, mais celui qui m'a fait passer un cap, c'est Henri Hélal à l'INSEP, qui n'a rien à voir avec le patinage non plus, qui était responsable des entraîneurs à l'INSEP, et avec qui j'ai commencé à travailler et à faire les programmes d'entraînement, et la musculation en particulier, à partir de fin 83, et on peut dire que l'année 84, c'est vrai que je lui en dois une belle partie. Ouais, une belle partie au niveau de la programmation et des entraînements, oui. Tout petit, j'ai commencé, c'était Jean Claudès. Enfin, même tout au départ, c'était le papa de Pierre Garand, Yves Garand. Au tout départ, en fait, quand j'ai débuté, j'apprenais à patiner. Globalement, c'était une école de patinage, école de course. Avec Solange Chevalot, qui était du club de Saint-Sébastien, et qui aujourd'hui, et qui s'occupe toujours de l'école de patinage à Saint-Sébastien. Après, j'ai eu Jean-Claude Hesse, qui était l'entraîneur du club de Saint-Sébastien. Et puis après, bon, voilà, comme dans tout club, des fois, il y a des hauts et des bas. À un moment donné, j'étais toujours au même club, à Saint-Sébastien, sauf que bah, pendant une année, je me suis entraîné avec le club de Bouguenay, donc c'était Stéphane Urien qui m'a entraîné, ça c'était quand j'étais Benjamin. Puis après, en minime, j'ai eu Guillaume Jiquel, le frère d'Arnaud, qui était au club de Rosay, mais on s'entraînait entre Rosay à plusieurs clubs, et c'est Guillaume Jiquel qui m'entraînait pendant mes années minimes. Et puis après, je suis rentré en pôle, une année avec Christophe Audouard, puis après Christelle Boucher pendant de nombreuses années, quasiment la plus grande majorité de ma carrière. Et puis à la fin,
Pascal Briand sur une partie, puis aussi un moment solo, tout seul. J'étais mon propre entraîneur et je demandais conseil par l'expérience quand je me retrouvais dans des... Je me suis retrouvé notamment sur Paris où j'étais tout seul pour m'entraîner, et donc là je me faisais moi-même mes programmes. Forcément Christelle qui a marqué puisqu'elle a récupéré, j'avais 17 ans, donc j'étais à la fois cadet, puis après je suis monté petit à petit jusqu'au titre de champion du monde. Avec, voilà, donc forcément Christelle restera l'entraîneur, on va dire, qui a le plus œuvré à côté de moi, sachant que j'étais pas forcément facile tout le temps. Voilà, alors que c'est parti pour la finale des 1600 mètres seniors, messieurs, avec Pascal Briand qui a pris le départ de cette finale. Et vous voyez Pascal qui entre en tête dans le dernier virage. Pascal qui fait actuellement son effort. Va-t-il pouvoir résister au retour de l'Allemand devant le Colombien? Oui, c'est fait, victoire! Victoire pour Pascal Briand. Superbe victoire. Et même troisième de ce championnat du monde. Ça, c'est super. Trois titres pour Pascal. Alors, mon père est très sportif et il a trois filles. Donc, il aurait aimé avoir un garçon qui joue au foot. Et je pense qu'il a eu trois filles plus sportives que peut-être s'il avait eu des garçons. Et en notre fort intérieur, mais bon, le sport ou pas le sport, la volonté, c'était que mon père soit fier de moi. Donc, bien entendu, la performance, à un moment, le regard de ton père, son discours, il est important. Ma mère était, d'une manière ou d'une autre, je pense, fière de nous. Mon père aussi, mais la performance sportive, c'est un petit plus. Et c'est vrai que on se dit, ah bah tiens, là, il va être content. Ah non, moi je crois que les parents, c'est, il n'y a pas photo. Il n'y aurait pas eu les parents, il n'y aurait pas eu de titre. Hein. Déjà, moi j'ai mon père qui a suivi puisqu'il était président. Donc il venait aux championnats du monde et tout ça. Alors par contre, il n'a jamais été partie prenante avec par rapport à l'équipe nationale ou par rapport au staff et tout. On avait une relation, on ne peut pas dire que c'était père et fils quand on était en équipe de France. Par contre, une fois rentré à la maison, bon bah non, non, moi mes parents ont été extraordinaires. Moi je ne regrette rien de ma vie. J'ai eu une famille extraordinaire dans le monde sportif. Alors peut-être que j'ai eu la chance d'avoir des parents sportifs, notamment un père, mais qui n'a jamais eu le Graal ou qui n'a jamais été au championnat d'Europe, au championnat du monde. Peut-être qu'il en aurait rêvé, donc il s'est peut-être projeté sur ses enfants, notamment sur son fils que je suis, parce qu'ils sont toujours là, enfin papa est toujours là. Et moi je pense que ouais, ça a été un soutien terrible, surtout au début, quand on est môme, parce que c'est eux qui vous trimballent partout, et puis après ils tiennent au courant, et puis quand il faut taper sur la table parce qu'ils voient que bon bah vous êtes un peu négligent en termes d'hygiène de tout, de vie, non, ils sont là, ils ont été présents, ils sont encore présents, et je leur dis un grand merci, quoi. Ouais, ça a apporté quelque chose dans notre relation, ça a créé en fait surtout un projet aussi familial. Ils ont sacrifié du temps et il y a de la réussite derrière, donc c'est valorisant pour tout le monde. Ça montre que si on fait les efforts et qu'on fait les bonnes actions, on a plus de chances de réussir, et quand on est dans un truc positif, ça crée de la fierté, et puis ça renforce les liens aussi, quoi. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement fort, c'est sûr. Bah, ils ont toujours été fiers de moi, je pense, à partir du moment où j'ai commencé à gagner quand j'étais petit, que ce soit mon premier titre de champion de Bretagne, mon premier titre de champion de France, les trois pistes ou tout ce genre de courses, les sélections, ils étaient toujours contents. Je suis pas sûr que ça a changé, que ce soit champion du monde ou si je l'avais pas ou si je l'étais toujours pas. Je pense que ça change pas. Ils étaient fiers de me voir m'épanouir, je pense. Dans le sport que j'aime, donc je pense pas que ça a changé grand chose pour eux. Je pense que je les ai rendus encore plus fiers, ce qu'ils le disent pas forcément, mais que dans le fond ils sont hyper fiers, ben, j'espère. C'était juste une question d'envie, si t'avais plus envie, après bon, fallait de temps en temps avoir un peu de chance,
Mais si t'avais plus envie, t'y arriverais quoi. Donc c'est vrai que c'est... J'ai toujours voulu leur prouver ça, j'aurais pas pu prouver à mon père, mais au moins je l'ai prouvé à ma mère. Si on n'est pas du tout une famille de sportifs à la base, donc on a mis le pied là-dedans par hasard ou pas d'ailleurs, mais mon frère avait des bons résultats au début, il a assez vite monté sur les podiums du championnat de France, moi pas du tout. Moi, je pense que j'ai dû leur demander deux ou trois fois d'arrêter, et parce que j'en avais marre. Quoi. Et en fait, par contre, à chaque fois, ils insistaient pour qu'on aille au qu'on aille au bout, parce que mine de rien, il y avait des frais. Mais c'était pas pour ça qu'ils insistaient. C'était vraiment, vous avez voulu faire ça. Maintenant, on continue. On s'arrête pas en cours de saison. Ouais, voilà, ça devait être ça. On s'arrête pas en cours de saison. On continue. Il est hors de question d'arrêter en plein milieu quelque chose qu'on a commencé. Ça, c'était bien, parce que c'est des valeurs importantes. Quand on commence quelque chose, on va jusqu'au bout. Et après, on voit. Et heureusement, parce qu'au final, on a quand même progressé. Je sais pas quand est-ce que je réaliserai ce que ça leur a demandé exactement, en fait. Parce qu'en fait, ils nous ont tout donné, mes parents. Tout. Pour le roller, certes, mais enfin pour nous, quoi. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu, vraiment une générosité sans limite, vraiment sans limite, pour nous accompagner. Ça, c'est vrai que c'était hyper important, je crois. Et du coup, non, j'ai pas conscience, parce que comment avoir conscience de ce que représente, par exemple, le fait de venir acheter une maison à Grenade-sur-Garonne, là où était notre club, pour que les enfants puissent faire du roller. Je veux dire, on avait 15 ans, c'était pas... On a déménagé parce que le club de roller était trop loin. Donc je sais pas si je mesure ce que c'est. Moi, je l'ai pas encore fait pour mes enfants, ce genre de truc. Peut-être qu'à ce moment-là, je le mesurerai vraiment. Mais ouais, non, c'est... Merci, papa et maman. Et ça m'a beaucoup aidé. Moi, sans mon frère, c'est pareil, j'aurais jamais continué le roller. Il a été mon principal supporter tout le long de ma carrière. Chaque fois que j'avais des moments difficiles, je pouvais aller me lui pleurer dans les chaussettes, il me remontait le moral. Alors, moi, j'ai été un poids pour lui, je pense, à plein de moments. Et c'est peut-être pour ça que moi, j'ai été champion du monde et pas lui, d'ailleurs. Et que les rôles se sont organisés un peu comme ça. Et je le remercie aussi parce que c'est pareil, c'est des sacrifices. Et là, il m'a plus aidé que moi, je l'ai aidé, je pense. Donc il y a une part d'égoïsme dans tout ça, il faut bien le reconnaître. Enfin, moi, j'ai mes parents qui étaient dirigeants du club, qui m'ont soutenu. Qui ont contribué à ma carrière sportive, ils me disaient toujours c'est pas le patin qui va te faire vivre. Quelques années après, je leur ai dit vous voyez, vous êtes trompé au moins sur un point. Dans les personnes qui ont été fières, mon grand-père. Mes parents étaient ouvriers, on n'est pas une famille qui vit avec beaucoup de moyens et à cette période-là, il y a un investissement colossal, que ce soit un investissement financier, le matériel, les chambres d'hôtel, le gasoil, les voitures, c'était quasiment 60 000 km par an, donc les voitures ça défile. Un investissement financier et puis un investissement au quotidien et un investissement, une présence de leur part, oui, qui était importante. Je pense que ce jour-là où j'ai été champion du monde et j'ai eu la chance de le faire en leur présence, je pense qu'ils ont certainement été fiers de moi, comme moi je le suis d'eux, quoi. Non, ils m'ont jamais mis la pression. Franchement. Après, j'ai toujours été bien accompagné. Comme je vous disais, il y avait Michel Le Guillou qui m'a vraiment pris en main, qui passait à la maison tous les soirs pour m'emmener à l'entraînement. Il me redéposait. Parfois, je mangeais chez lui et je repartais. Et il me redéposait après à la maison, juste pour que je mange de la viande. Un steak haché, c'était une bonne pièce de viande chez Michel. J'ai toujours été quand même finalement bien entouré et... que ce soit par mes différents coachs et par mes parents. Ouais, je pense qu'ils ne le montrent pas forcément tout le temps parce qu'ils sont très impliqués dans le monde du roller, mais s'ils sont impliqués aussi dans le monde du roller, c'est qu'ils avaient envie de me suivre et qu'ils étaient aussi fiers
de ce que je faisais et ils ont toujours été là pour moi, ça j'ai pas le nier, donc vu leur implication, je pense que j'ai pas forcément besoin de présenter qui sont mes parents. Vu leur implication bénévole dans le monde du roller à tous étages, je pense que voilà, c'est le reflet de notre motivation et de la fierté qu'ils peuvent avoir de moi en fait. Je pense pas que ça a renforcé les liens, parce que j'ai vécu, voilà, je vais pas le cacher, le décès de mon frère 6 ans avant mon titre de champion du monde, donc du coup je me suis retrouvé en fils unique, donc je pense que les liens ont été renforcés déjà, voilà, 6 ans auparavant. Prouver quelque chose, je sais pas, peut-être le premier, rendre hommage à quelqu'un, plus dans ce sens-là en fait. À un moment aussi, on fait du sport, mais on s'accroche aussi, je pense, à des choses en voulant rendre, voilà. On a un objectif dans la vie. Et je pense que certaines situations, des fois, aident à accomplir ces objectifs-là, parce que du coup, on s'y donne encore plus à cœur de le réussir en hommage à cette personne-là, en fait. Parce que mon frère a fait aussi du roller. Donc il était souvent là aussi pour moi et du coup on s'accroche à... Voilà, je m'accrochais aussi à ça, pas à le faire pour mes parents, mais plus à le faire au début pour, voilà, pour moi, mais aussi pour rendre hommage à cette personne-là. Parce que beaucoup de gens le savent pas, beaucoup de gens me demandent des fois, je peux le montrer là. En fait, j'ai une médaille et depuis qu'il est décédé, voilà, c'est l'image de mon frère et je cours avec... Et je l'ai tout le temps sur moi, 24/24, je cours avec. C'est, voilà. Il reste dans mon cœur et je pense que le premier titre de champion du monde est allé pour lui, parce que d'ailleurs, sur le podium, moi j'ai un regard vers le ciel, donc c'était vraiment, voilà, en hommage à cette personne-là. Eh ben, mon père, oui, il est devenu plus fier de moi, il a plus confiance en moi. Et il est très content parce que c'était un peu son rêve à lui aussi. C'était mon rêve en premier, mais c'était un peu son rêve à lui aussi. Et du coup, le fait que je le réalise, il a réalisé son rêve. Donc oui, je dis beaucoup de fierté en lui. Ma mère aussi, mais elle le prend différemment. Elle se déplace moins sur les courses, elle est un peu plus éloignée du roller. Mais elle est très fière aussi. Elle me le dit souvent, t'es un champion. Et qu'elle m'aime beaucoup, donc non, mes parents sont très très fiers de ce que j'ai réalisé, oui. Quand tes parents voient que tu es dans la bonne voie et que tu es heureux avec ce que tu fais, de toute façon, ça peut que aller. Moi j'ai toujours voulu me prouver quelque chose à moi-même, mais je sais que derrière j'ai toujours quand même voulu prouver des choses à mon père qui nous a entraînés depuis tout petit et qui a été très dur, il était très dur avec nous. Il fallait l'écouter, sinon gare à nous, quoi. Et sinon, j'ai toujours eu cette impression aussi que, en fait, ma mère a eu des problèmes à un moment dans sa vie. Elle a eu des problèmes psychologiques, elle est tombée en dépression, etc. Et en fait, ça a été, je crois, le gros problème de ma vie, hein. C'est même pas je crois, j'en suis sûr. Et en fait, j'ai toujours fait de ça une force, c'est-à-dire que ma plus grosse blessure, en gros, c'est celle-ci. Parce que quand t'es jeune, que t'es adolescent, tu comprends pas pourquoi ta mère a des problèmes psychologiques, etc. Du coup, en fait, moi, je me suis toujours servi de ça pour me dire tu n'abandonneras jamais, tu vas être champion du monde. Et même derrière ça, il y avait même cette idée de si j'étais champion du monde, peut-être qu'elle guérirait, peut-être qu'elle se sentirait mieux. Et en fait, là je vis encore avec mes parents, je me rends compte que c'est vrai. On va dire que là, les dernières années, ça fait 3 ans où chaque année j'ai un titre de champion du monde. Si c'était pas les championnats du monde, c'était le World Games. Et en fait, j'ai l'impression que petit à petit, elle va mieux. Elton, lui, c'est différent parce que lui, depuis, c'est... Ça doit être depuis très long, mais je pense que quand il avait 5 ans, il disait très clairement et il le répétait, j'ai qu'un rêve, c'est de devenir champion du monde. Un jour, je serai champion du monde. Moi, je pense pas avoir
Je pense jamais avoir prononcé cette phrase qui me paraissait très... Enfin, pour moi en tout cas, lui, ça lui... j'ai l'impression que ça lui allait bien, mais... qui, moi, dans ma bouche, me serait paru très... présomptueuse. Et lui, je sais que tout petit, tout le temps, il le disait, et tout le temps, il disait, toutes les années même, il disait, ah, cette année, je vais être champion du monde, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être champion du monde. Donc, ouais, j'attendais. Je pense que j'attendais juste que ça arrive. Il me disait que ça allait arriver, c'est sûr. Bah forcément, ça a changé ma vie par rapport au regard des autres, parce que même si c'est un petit sport qui n'est pas médiatique, même on peut dire, bah on est toujours mis un petit peu sur un pied d'estal, les gens vont pas trop te contredire, tu vas avoir une certaine aura. En ce sens, ça a changé un petit peu ma vie, mais comme je le disais précédemment, le fait d'avoir toujours travaillé en même temps, je pense que ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça, de prendre du recul. C'est-à-dire, il y a la vie sportive et il y a la vie professionnelle. Je les ai menées de front et c'est des choses complètement différentes. Donc on a beau avoir été champion du monde d'un côté, si on n'est pas beau dans des autres périodes de sa vie, que ça soit familiale, professionnelle, c'est pas pour ça. Je veux dire, la vie c'est compliqué, hein, il y a différentes phases. Et puis ça m'a permis de vivre à l'étranger, puisque si je suis parti vivre en Colombie, c'est aussi grâce à ça. Donc oui, ça a changé ma vie, puis ça a changé ma vie dans la démarche aussi. C'est-à-dire que d'être champion de quelque chose, que ce soit du roller, du frisbee, du billard ou des échecs, c'est une démarche intellectuelle quand même si c'est pas un objectif initial. Et du coup, ça conditionne quand même le reste de la vie. Donc ça a forcément eu un impact assez important sur ma vie, même aujourd'hui. Une personne qui m'a dit ça, pour être dans le nom de Baptiste Grandchérard, qui m'avait quand même marqué un peu, c'est qu'à un moment aussi, quand on veut être champion du monde, il faut s'en donner les moyens. Donc je pense que j'ai changé un peu ma vie avant. Ça veut dire que, en fait, j'avais un objectif qui a été fixé avec mes parents, c'est que j'ai mon BTS. Après mon BTS, je m'étais fixé 2 ans pour être champion du monde. Chose que j'ai réussi à faire. Et je pense que derrière, voilà, ça a changé ma vie, parce que derrière, forcément, même d'un point de vue personnel, j'ai pu signer des contrats avec des sponsors et du coup ça change la vie parce que du coup on peut faire du roller, on peut faire notre sport en ayant un minimum de rémunération et ça change la vie en fait pour la suite. Et du coup bah, la preuve maintenant à 30 ans, il n'y en a pas beaucoup qui patinent encore à 30 ans, hein, je le vois dans le peloton, ils sont de plus en plus jeunes donc et il y a quand même un sacré trou parce que je pense que le plus jeune derrière moi, ça reste quand même Nolan et Elton, donc ils ont quand même 2 ans, on a quand même 2 bonnes années d'écart, quoi. Ça a changé ma vie, je dirais... oui et non. On est un sport amateur, peu connu. Demande à Kylian Mbappé si ça lui a changé sa vie d'être champion du monde. Voilà, on connaît tous la réponse, les mecs, on est d'accord. Moi, si ça m'a changé ma vie dans la vie de tous les jours, je dirais que non. Je me balade à Bordeaux, il n'y a rien qui se passe. Après, si ça a changé ma vie du point de vue personnel, savoir si j'ai changé moi personnellement, ça c'est sûr. Je veux dire, avant d'être champion du monde, j'étais un peu là, tranquille, machin. Quand je me suis rendu compte que je pouvais être champion du monde et qu'il fallait travailler, étape, allez, on y va, tous les jours, allez se coller le cul dehors là. Ça a changé parce que du coup, maintenant, je suis plus le même homme. Je suis complètement différent du mec qu'il y avait il y a 10 ans à Nantes, là. Ça n'a plus rien à voir. Donc si ça a changé ma vie, dans la vie de tous les jours, non. Mais ça a changé de bonhomme. Je dis à mes collègues, ou je dis à quelques fois aux élus de la fédération, je suis foncièrement optimiste. J'espère que je le resterai encore. Est-ce que ça a contribué à générer ça en moi? Peut-être, j'en sais rien. Est-ce que je l'aurais été moins autrement? Mais j'ai toujours. Je crois toujours que c'est possible, quoi. Parce que. On partait de loin. Enfin voilà, les Français, on partait quand même d'un peu loin. Et on a. Voilà, sur cette équipe. Voilà, Thierry est champion du monde, Franck est champion du monde. Sur le noyau dur de cette équipe à l'époque, on a tous réussi, quoi. Et après, t'as une forme de confiance en toi. C'est-à-dire que. Tu sais que tu peux. Voilà. Moi, ma vie professionnelle, après, eh ben, elle s'est modulée sur ma vie d'athlète. Donc ça m'a quand même donné de l'élan. Et
Et je pense que dans la vie, ça m'a aidé à me libérer, à sentir que, bah ouais, quand on fait les choses avec plus de relâchement, et que, bah, en acceptant de pouvoir faire en acceptant de pouvoir perdre, et bah, c'est là qu'on peut gagner. Moi, c'est ce qui m'a manqué d'ailleurs dans ma carrière. Être le meilleur du monde à un instant T dans quelque chose, c'est quand même pas donné à tout le monde. Sur le long terme, je crois que ça a plutôt été une contrainte, puisque comme je le disais, j'étais arrivé dans une démarche où je courais plus pour gagner, mais pour ne pas perdre. Ce qui est quand même assez problématique. Et du coup, ça m'apportait plus de mal-être que de bonheur. On gagne en confiance. Donc moi, la confiance d'avoir été champion du monde, elle rayonne dans ma vie de tous les jours. Je pense que des fois même presque en excès de confiance. Mais je pense que ça a changé ma vie parce que je me dis que du coup, tout est possible. Quoi. Je peux faire tous les projets que je peux faire. Ils vont se réaliser. Ça sera juste qu'une question de temps et de travail. Par contre, ce qui est génial, c'est que tu as les coachs qui sont là pour te rappeler que c'est pas parce que tu as été que tu es toujours. Hein, donc, il y a des rappels à l'ordre, mais tu as une confiance en toi qui est différente parce que quand tu passes le stade des séries et que tu vas en finale et puis que tu arrives près du podium, non, tu as une autre attitude. Ton corps, tu le connais, tu crois en toi. Et ça, c'est énorme. La grosse tête, moi, je crois pas que je l'ai eu. Mais par contre, tu crois en toi. Et ça, c'est génial parce que combien de potes j'ai vu physiquement deux fois plus fort que moi, mais franchement deux fois plus fort que moi, oh, ils passaient jamais la barrière des séries parce que je crois que c'est un cap, on ne croit pas en soi. Obligatoirement, devenir championne du monde a changé ma vie parce que ça change votre entourage, parce que ça change le regard des autres vis-à-vis de vous, parce que ça vous ouvre des opportunités. Ma vie, il faut la construire dans sa vie, c'est différent, c'est pas le sport qui m'a donné tout ce que j'ai. Donc ça n'a pas changé, non. Ça ne m'a rien apporté. C'est simplement un titre, une gloriole, comme on dit, c'est tout. Mais tout le reste, je l'ai gagné en force des poignets. Je pense que le bonheur ne réside pas dans l'aboutissement du résultat, dans la concrétisation du résultat. Je pense que le bonheur il réside dans toute la mise en place et dans tout le processus qui amène à ce résultat. Je pense que c'est ça qui fait le bonheur, c'est tous les entraînements. C'est vrai que depuis ces deux titres, retrouver une telle joie, si ça, c'est compliqué parce que c'est un moment hors du temps un peu quand on gagne. Je trouve que il peut tout se passer, rien nous atteint, on est un peu sur une autre planète, mais et c'est vrai que ce moment un peu hors du temps où le temps s'arrête et cette adrénaline et tout ce qui se mélange, on a envie de le revivre en fait. Moi j'ai envie de le revivre, j'ai envie de me battre pour revivre ces émotions-là. Je pense qu'on peut les vivre d'une autre façon dans la vie en général. Mais cette émotion de champion du monde, j'ai envie de la revivre, je pense. Dans ma carrière, je me rends compte quand je discute avec d'autres, je me mettais beaucoup beaucoup de pression, je pense, par rapport à plein d'autres patineurs, et ça je le regrette en fait. Si je pouvais refaire ça, ma carrière, si je pouvais donner des conseils aux jeunes, c'est de s'enlever un maximum de pression, parce que ça me pourrissait beaucoup de moments en fait, que je vivais pas dans le relâchement, dans la joie, et c'était bien, et c'est bien dommage, je me rends compte, parce que je vois plein d'autres collègues, champions du monde ou pas, qui ont vécu avec beaucoup plus de joie, en fait, d'émotions très positives. Moi, j'étais assez dans le... Ouais, trop de pression, et je m'en rends compte après coup, quoi. Être champion du monde, ça t'apporte énormément de bonheur. T'as ça pour toute ta vie, et c'est une dose de plaisir sur l'instant, mais c'est aussi un souvenir impérissable. C'est quelque chose de tellement fort. En fait, faire champion du monde, c'est pas qu'on a l'impression, c'est qu'on a marqué l'histoire. Quelque part, on a marqué l'histoire.
Il y a, je trouve qu'il n'y a pas d'équivalent dans la vie, on ne le retrouve pas par ailleurs, c'est-à-dire cette joie, ce genre de délivrance, ce bonheur après la ligne qui va durer 15 secondes. Il y a que, je pense qu'il n'y a que dans le sport, moi j'ai jamais vu d'équivalent, alors il y a plein de grands bonheurs, mais en tous les cas vraiment différents, mais cette joie qu'on a après un grand titre, il n'y a que là qu'on peut sentir ça. Je pense que tous les champions du monde et encore plus les champions du monde récidivistes ont soit un très bonne image d'eux-mêmes qui leur permet d'avoir assez confiance pour y arriver, ou soit ont besoin d'avoir une très bonne image d'eux-mêmes, donc font tout pour y réussir et se prouver quelque chose. Mais il y a forcément, je pense que le sport de haut niveau est dans les champions, c'est, enfin, le sport de haut niveau, c'est le repère de tous ceux qui, après, en termes d'ego, je sais pas, mais je pense que c'est le repère de tous ceux qui cherchent qui ils sont, ou même qui cherchent qui ils voudraient être. C'est à la fois égoïste et à la fois un projet collectif. C'est-à-dire que oui, puisque tu mets tout en œuvre pour accéder à ton objectif qui est clairement d'aller décrocher un titre mondial, donc tout ton entourage te soutient, met tout en œuvre de son côté, chacun à son niveau pour que tu y arrives. Donc forcément, tu te centres sur toi-même. T'as plus qu'une chose à penser, c'est aller t'entraîner, bien manger, bien dormir, suivre des études quand même, parce qu'il faut cet équilibre-là. Pour moi, en tout cas, c'était important. Et donc, tout ce qu'il y a autour, il n'y a pas de place, pas trop de place pour le reste. Donc, en fait, tu te focalises énormément sur ton objectif, ce qui fait que tu exclus le reste. Chacun a son ego. Après, plus ou moins surdimensionné. Mais non, je pense, ouais, voilà, on n'est pas champion du monde dans n'importe quel sport, on n'est pas champion du monde sans caractère. On en entend parler partout, en fait. Tous ceux qui sont champions, ils ont quand même des forts caractères, en fait. Parce qu'ils ont vécu, parce qu'ils veulent démontrer, parce que par la soif qu'ils ont de victoire. Donc je pense que l'ego est quand même important dans la recherche de résultats. Je pense qu'il en faut un minimum, même si je fais pas partie de ceux qui en avaient le plus. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai été qu'une fois champion du monde. Comparé à des monstres comme Chad, qui avaient forcément des égos surdimensionnés, je pense que ça fait partie de la... Alors je sais pas si c'est une qualité, mais ça fait partie en tout cas de la personnalité d'un champion, c'est d'avoir toujours, sans cesse, toujours dans la tête, avoir le sentiment qu'il faut toujours tout remettre en cause et toujours avoir envie de montrer aux gens qu'on est le plus fort. Je pense qu'il y a ce sentiment-là qui est plus ou moins exacerbé en fonction des personnalités et des sportifs. Mais je pense qu'effectivement, ça rentre en ligne de compte. Ouais. Mais je pense qu'il faut quand même être un personnage, quoi. Faut vraiment être un... Faut être un dur, je pense, parce que c'est pas facile. C'est du taf. Et en face, t'as des mecs, attention, hein, c'est pas des rigolos non plus. Et c'est des gros personnages. Et je pense que si tu te laisses bouffer, quoi, c'est pas bon, quoi. Bah, je pense qu'il faut, je pense qu'il faut avoir une, faut avoir de la personnalité. Après, j'ai pas le sentiment d'avoir un ego démesuré, mais j'étais un compétiteur. C'est marrant parce que j'avais les copains qui me battaient à l'entraînement. Alors que j'aimais m'entraîner, j'étais pas un feignant à l'entraînement. Mais voilà, par exemple avec mon frère, quand on faisait du fractionné ou des séries comme ça, mais il y a des fois ils me battaient, quoi. Mais je me transcendais en compétition. Bah oui, il faut beaucoup d'ego en fait. Moi je pense que oui. Parce que c'est un projet. Devenir champion du monde, c'est un projet exclusivement égoïste. Donc on pense qu'à soi en fait. Donc oui, il faut beaucoup d'ego. C'est des sacrifices qu'on fait, mais c'est des sacrifices pour soi. Donc oui, moi je pense qu'il faut beaucoup d'ego. Mais ça soigne l'ego aussi. Et du coup, ça permet peut-être de passer à.
à autre chose. À se dire, bon, ben, je me suis occupé de moi, là. Ça m'a fait du bien. Je me suis un peu soigné. Donc maintenant, peut-être que ce serait bien de m'occuper d'autres personnes, tu vois, de pas être... De pas continuer sur ce schéma-là toute ma vie. En tout cas, c'est ce que j'essaye de me dire aujourd'hui, mais c'est pas facile. Il faut avoir un minimum d'ego, mais un ego pour avancer pour soi. Pas un ego pour être jaloux de l'autre, pas un ego pour être vexé de ce qu'on peut nous dire, pas un ego pour qui va être plutôt malveillant, mais un ego sur soi, qui ne doit pas amener la jalousie de l'autre ou quoi que ce soit, et nous permettre d'avancer vers le chemin. Souvent, en fait, l'ego, le problème, c'est qu'il ressort quand on est attaqué. On prend des remarques, on fait une mauvaise course, on dit que c'est de la faute de l'autre, parce qu'en fait, on est vexé. Et dans ce cas-là, l'ego, c'est le mauvais ego, je dirais. C'est l'ego qui fait pas avancer, c'est l'ego qui va amener la peur, qui va amener le doute, c'est vraiment l'ego qu'il faut bannir. Par contre, l'ego qui se permet de se recentrer sur soi-même, sur ce qu'on a à faire, à se concentrer sur ses entraînements, sur sa tâche, sur ce qui va nous permettre d'être performants, ça, cet ego, il est nécessaire et indispensable. Je vais à l'entraînement, à la Divat, l'entraînement classique. J'arrive au rond-point, ça a duré 2 secondes, et là je me suis dit j'arrête ma carrière. Ben, j'ai arrêté ma carrière, j'étais à l'armée, et ça s'est arrêté, c'est tout. J'ai pas subi l'arrêt, je l'ai choisi, donc ça c'est déjà une bonne chose. J'ai jamais eu à me dire, j'avance plus, j'arrête. Et pourtant, il y a forcément un moment où on n'avance plus, mais on est toujours dans le déni. Parce qu'on se dit, ces mecs-là, je les ai battus à un moment, donc j'étais plus fort. Non, on n'était pas plus fort intrinsèquement. On était plus fort parce qu'on était à des moments différents de notre carrière. Donc ces gens-là qui étaient peut-être à un niveau 7 sur 10, parce qu'ils commençaient, à un moment, ils sont arrivés à 10, et puis nous, on est descendu à 7. Ben moi, c'est une décision que j'ai prise parce que, alors là, vous allez peut-être me trouver un peu trop, et ben j'ai eu peur de perdre mon titre, moi. Moi, honnêtement, je suis arrivé à 26 ans, je venais d'avoir ce titre, et 26 ans, on commençait d'un vieux tromblon, et moi, franchement, j'ai eu peur. Et le fait d'avoir eu peur, c'est une décision que j'avais prise. Moi, je crois qu'il est plus difficile de rester champion du monde que d'être. Quand vous l'êtes, bah, vous l'êtes, bah, voilà, c'est, et voilà. Mais le rester, j'ai l'impression qu'il y a différentes pressions. Tu cours, t'as ton maillot de champion du monde sur les épaules. Moi, les mecs qui ont fait ça, je leur dis chapeau parce que moi, je ne l'ai pas affronté. Déjà, physiquement, les gars, celui qui me dit qu'il est resté athlète de haut niveau, moi, je ne le crois pas. Déjà, j'ai pris 10 kilos presque en un an. Déjà, là, physiquement, t'en prends un coup sur la tronche. Et puis après, après, t'es devenu sédentaire, quoi. C'est pareil, il y a eu cette transition sur les patins en ligne qui ont été vraiment trop compliquées pour moi, quoi. Donc, j'ai essayé de... Je regrette même pas d'avoir continué, parce que bon, j'ai quand même fini derrière la deuxième. Pas derrière n'importe qui, derrière Arnaud, donc... Donc aux 500 mètres à Coulaines, au championnat de France, je voulais m'arrêter sur un titre de champion de France, je finis deuxième, bon, voilà. Quand j'ai arrêté, c'était le jus de chaussette, quoi. Il restait plus rien. Et je me rappellerai toute ma vie du jour où j'ai arrêté. J'avais mis mon sac dans le coffre de la voiture, je suis allé à l'entraînement. Je suis arrivé au bord du circuit. Et je suis resté dans ma voiture et je me dis, non, c'est fini. Et je suis rentré chez moi, tout simplement. Et c'est marrant parce que quand ça m'est arrivé, eh ben, je me rappelle d'Arnaud Jekyll qui m'avait raconté exactement la même histoire quelques années avant. Je ne sais plus, c'était peut-être 2 ou 3 ans avant. Il m'avait dit, je suis allé à l'entraînement, j'ai laissé mon sac dans la voiture et je suis rentré chez moi. Et en fait, ben, j'ai eu l'impression d'arrêter exactement de la même façon que lui. Donc, mais en paix, parce que ce jour-là, je savais que c'était fini, quoi. Et ça peut être difficile à vivre, ça peut prendre du temps. Moi, j'ai eu cette chance, je suis resté dans le bain, J'ai vibré avec Estelle Fourins quand elle a été championne du monde, avec Pascal Briand quand il a été champion du monde. Voilà, ça, j'ai continué de vivre avec eux et c'est pas moi qui étais championne du monde quand Pascal Briand était champion du monde, mais les sensations, je les revivais. Il y avait toujours
cette adrénaline. Donc moi, je pense que ça s'est passé tout en douceur. Juste après la précarrière, pendant quelques années par EHPAD, et dans les quelques mois qu'on suivi l'arrêt de ma carrière, presque une année on va dire, j'ai été en déprime. Alors je n'ai pas été jusqu'à la dépression comme il y en a qui peuvent arriver, mais moi j'ai fait une longue période de déprime. Je comprenais pas pourquoi. Je savais que c'était l'arrêt de carrière et que du jour au lendemain on s'entraînait tous les jours, on partait tous les week-ends en compète et puis tu te retrouves sur ton canapé devant la télé à regarder des conneries à la télé là qui t'avancent, qui servent à rien, et puis de te dire mais qu'est-ce que je fais là. Et puis aussi prendre conscience que ça a été difficile, franchement ça a été difficile pour moi, je l'ai vécu difficilement, c'est le sport de haut niveau. À un moment donné, moi, ça m'a coupé de relations sociales, de copains que j'avais pendant de longues années. Le fait de partir et tout ça, tu pars et puis d'un coup, tu vois moins les gens et puis les liens se coupent. Et puis en fait, tu te retrouves et puis t'es quasiment à te dire « Mince, j'ai quelques amis, mais j'ai pas tant d'amis que ça, quoi. » En fait, en compétition à haut niveau, mais peut-être pas qu'à haut niveau, mais du moins à haut niveau, en fait, je dis qu'on est shooté aux émotions. Mais les émotions dans les deux sens, l'émotion qui va très en haut par la victoire, par les super perfs, comme les grosses déceptions, où là on est au plus bas avec des blessures par exemple ou autre. Puis en fait quand ça s'arrête, dans la vie de tous les jours, quotidienne, il n'y a pas ces shoots d'émotions. Et en fait on a l'impression que la vie, en fait vivre simplement, profiter des plaisirs simples de la vie, les plaisirs quotidiens tout simples en fait, d'aller boire un café avec quelqu'un, des trucs tout classiques de la vie, on a l'impression que c'est fade et que c'est pas ça la vie parce qu'on n'a pas connu ça. Et je trouve que à un moment donné, moi j'ai eu toute une phase d'apprentissage de nouveau, de c'est quoi vivre simplement de la vie et apprendre à vivre, je vais pas dire comme tout le monde, mais apprécier les moments simples de la vie. Et j'ai eu tout ce moment d'apprentissage. On se rend vite compte qu'en fait, sur les pistes, on parle plus de nous, quoi. Enfin, ce qui est normal, on n'est plus. Donc ça fait un peu mal à l'amour propre. Après, après il n'y a plus les voyages, il n'y a plus les émotions fortes, il n'y a plus l'adrénaline. C'est une rupture assez difficile. Et moi, ce qui m'a le plus troublé, c'est quand vous arrivez aux grosses échéances que vous avez tous les ans, et là, tout d'un coup, vous n'avez plus rien. Plus de stage, plus de championnat. Donc, ouais, c'est vrai qu'on a un petit peu. C'est même très fade, on ne va pas se le cacher. Parce qu'on n'a plus ce stress qui vient nous envahir avant les compétitions. On n'a plus cette fatigue physique assez importante lors des grosses préparations. On n'a plus aussi ce bonheur de gagner quand ça peut arriver. Donc, ça devient monotone un petit peu et fade, mais. Mais je pense qu'il faut s'y préparer avant, quoi. Ouais, moi j'avais beaucoup discuté déjà avec Julien Despo à l'époque qui m'avait toujours conseillé, voilà, quand tu voudras arrêter ta carrière, essaie de te préparer à l'avance parce que c'est pas simple. Donc au début je rigolais un petit peu parce que j'étais jeune et puis lui il était sur sa fin de carrière. Et c'est vrai qu'après je me suis dit va peut-être falloir y réfléchir et moi ça faisait 2 ans que j'y pensais et que je me disais il va être temps de raccrocher à un moment donné. Donc moi, en 2 ans, j'ai eu le temps de me dire qu'il n'y aurait plus de compétition, qu'il n'y aurait plus de stage, plus d'entraînement, voilà, et ça serait différent. Comme je le disais, c'est ça qui me fait peur en fait. C'est d'être tout en haut d'un monde, donc d'être champion du monde, d'être un des meilleurs de ton monde, le monde du roller, et d'arriver dans un autre monde, j'en sais rien, l'entrepreneuriat par exemple, et de repartir de tout en bas. Ça me fait peur. Ça, c'est vraiment le truc, tu repars de zéro en fait. Je sais que je revivrai jamais un moment d'extase et de pulsion, de joie, comme j'ai connu un titre de champion du monde. Il n'y a rien dans ce monde qui permet, selon moi, ça reste mon avis personnel, d'exulter comme un titre de champion du monde. Ce truc, cette rage-là qui te sort des tripes, là. Bonne question, parce que je marche beaucoup à l'objectif. Je pense que ça peut être compliqué, parce que si j'ai pas l'objectif, il faudra que je m'en trouve. Ouais, on a toujours un peu peur du gouffre après, qu'on soit passé d'une vie où on a eu du stress, des objectifs,
une vie à part en fait, à arriver à une vie un peu plus... Je pense que c'est... Personne n'a une vie banale, mais pour nous, c'est peut-être un petit peu... Voilà, la vie de monsieur tout le monde, tous les jours, ça fait peur, je pense. Quand on tire sa révérence, c'est quelque chose qui fait mal au cœur. Est-ce qu'on est mort? Si à un moment on tire sa révérence, si c'est parce qu'on se sent peut-être plus capable de pouvoir réussir. Et d'un côté, en fait, c'est notre, de mon point de vue, c'est notre petite mort, en fait. Parce que du coup, ça veut dire qu'on n'est plus capable, c'est qu'on a jugé qu'on n'était plus capable de pouvoir gagner et d'être champion du monde. Donc ça, c'est, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre. Je sais pas si c'est le mot... Bon, je ne vais pas dire peur, mais un peu d'appréhension de... Parce que là, je suis vraiment ouais, dans les grosses années de ma carrière. Donc, je dirais que ouais, là, j'ai un peu d'appréhension à me projeter dans un an, deux ans, ce que ça va donner. J'ai envie de continuer les marathons et le roller pour le développer parce que j'aime ça, c'est ma passion. Mais j'ai un peu peur de... Ouais, j'ai un peu peur quand même. Enfin, c'est de l'appréhension, de la peur, c'est un peu... Je sais pas, c'est bizarre, c'est une belle vie la vie d'athlète et c'est dur mais c'est une belle vie quoi. On n'est pas au travail tout le temps, on voyage, on fait plein de trucs donc... Ouais je pense que ça va me manquer même si des fois on en a marre. Mais ça ouais, ça va me manquer donc j'appréhende un peu ouais parce que va falloir trouver autre chose pour la transition en fait je pense que... Et c'est ça que j'appréhende, je suis tellement mordu de sport que j'ai un peu peur là-dessus. Mais il y a un point commun, je pense, entre tous les champions du monde, vraiment tout le monde, et même d'ailleurs ceux qui sont pas champions du monde mais qui essaient d'être, je pense que le point commun c'est vraiment l'investissement psychologique. Moi j'ai jamais le sentiment d'avoir fait des sacrifices quoi. Même encore aujourd'hui, quand je vais m'entraîner 3 heures sur une journée, 2 fois 1 heure et demie dans la journée, pour moi c'est pas un sacrifice. Mais ça reste un plaisir quoi. On a un sacré poids sur les épaules tous les ans parce que personnellement, moi, quand j'ai un champion du monde, de repartir sans titre, c'est vexant. Pas si facile que ça, puisque je ne l'ai pas été une deuxième fois. Donc j'ai pas réussi à l'être une deuxième fois, donc ça devait pas l'être. Champion du monde, c'est un travail colossal. Et si tu te dis que c'est facile, bah, t'as perdu d'avance en fait. Non, je respecte énormément, maintenant après coup, tous ces patineurs qui ont mis longtemps à avoir leur titre de champion du monde. Parce qu'ils ont persévéré, et je pense, et je suis même persuadé que si moi j'avais continué avec un peu plus de recul, un peu plus, je suis sûr que j'y serais arrivé en fait. Parce que c'est un peu, ça paraît prétentieux de dire ça, mais je pense que la persévérance, elle finit toujours par payer. 17 champions du monde en France, je pense que chacun a sa recette, chacun a sa méthode et a ses petits détails qui font la différence. La première fois, non. Parce qu'on n'a pas la recette et il y a quelques blocages qui se créent. La première victoire, elle est toujours hyper dure. Après, ce qui est dur, c'est une fois qu'on a gagné une fois, c'est de vouloir reconfirmer. Et moi, il m'a fallu 2 ans. Et la deuxième opportunité, elle est venue 2 ans plus tard. Donc, reconfirmer, c'était plus facile parce qu'il y a la confiance qui est là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a accompli une fois, c'est plus facile de regagner. Mais c'est pas facile de recréer les opportunités quand même. L'occasion se présente en général rarement et peu de fois, et donc il faut la saisir. Et vu l'investissement que ça a demandé à tous ceux que je connais, français ou étrangers, pour devenir champion du monde, on va pas dire que c'est facile. Après, pour les autres, je pense pas. Pendant quelques années, on va être encore là, on va en parler, ou les gens qui nous ont connus toute notre carrière, ils vont en parler. Mais après, bah, comme on dit, quand les nouvelles générations elles arrivent, on tombe un peu dans l'oubli, on nous oublie, et c'est à partir de ce moment-là en fait qu'on peut considérer peut-être qu'on est mort. Mais bon, après, voilà,
si ce film peut aider à conserver le patrimoine français, parce que moi je sais que quand j'étais jeune athlète, je regardais beaucoup les anciennes courses, notamment les Championnats du Monde à Gujan en 94, j'avais regardé une vidéo. Mais voilà, si on peut conserver notre patrimoine comme dans d'autres sports, ils arrivent à le faire en gardant Zinedine Zidane ou Didier Deschamps, des choses comme ça, et bah, pourquoi pas chez nous.